Merci. Salutations, père. Merci. Tu m'as fait appeler? Oui. Assieds-toi. Obiseke. Oui, père. Est-ce que tu peux me dire qui montera sur ce trône après moi? Évidemment que ce sera moi. Est-ce que c'est toi? Oui. Tu en es sûr? Certain, père. Ok. Alors dis-moi à quel point est-ce que tu connais nos traditions. Père, je connais nos traditions. Je connais nos traditions. Et si je peux me permettre, pourquoi toutes ces questions? Mère, honnêtement, je ne comprends pas ce qui se passe. Comment? Que veux-tu dire? Est-ce que y a-t-il un problème? Oui. Père m'a appelé et a commencé à me poser une série de questions. Mon fils, peux-tu me dire l'une des questions qu'il t'a posées? Mère, il m'a demandé si je sais qui montera sur le trône quand il ne sera plus là. Et aussi, si je connaissais les traditions de notre royaume. Et qu'as-tu répondu? Mère, que crois-tu que je lui ai dit? Bien sûr que je connais les traditions de ce royaume. Tout comme je sais que je suis celui qui monterait sur le trône lorsqu'il ne sera plus là. Donne-moi quelques jours et je te dirai la raison pour laquelle il a posé ces questions. Salutations, ma reine. Salutations, ma jolie et tendre enfant. Es-tu Adama? Oui, ma reine. Ah, en fait, j'étais en route pour venir chez toi. Ah, ma reine, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle offense est-ce que j'ai commis? Non, épargnez-moi. Non, non. Tu n'as rien fait de mal, ma fille. Ok. Je vois que tu es en route pour le champ. Oui, c'est ça, ma reine. Je vais rejoindre mes parents au champ. Ok. J'aimerais te voir quand tu auras terminé. D'accord, ma reine. J'aimerais te voir au palais. D'accord, ma reine. Mes salutations à tes parents. Je le ferai. Allez, rentrons.
Maman? Ada, ma fille. Maman? Pourquoi souris-tu autant? La reine m'a invitée au palais. Et? Quand j'allais au champ aujourd'hui. Hey! Elle m'a dit de venir au palais. Tu veux dire qu'elle t'a invitée au palais? Oui. Hey! Adama. Maman. Qu'est-ce que tu as fait cette fois? Tu le demandes à Adana? Mais je n'ai rien fait. Tu es sûre? Oui, maman. Ok. Pas de soucis. C'est bon, tu vas partir. Oui, va maman. La voir. Tu sais que notre reine et son mari, le roi du royaume d'Amavor, sont très gentils. De gentilles personnes. Maman. Maman, je pars maintenant. Vas-y, je vais continuer avec ça. D'accord. Ne cherche pas les ennuis, oh. D'accord, maman. Hé. Hey. Notre reine est une très bonne femme. Je t'ai demandé de me donner 2 jours. Pour te donner la raison pour laquelle ton père t'avait posé ces questions, tu t'en souviens? Ouais. Adama. Ma reine. Lève-toi et retourne-toi. Ça suffit. Merci. Mère, qu'est-ce qui se passe ici? Adama, ici présente, est ta future femme. Je veux que vous vous rapprochiez tous les deux. Mais mère... Si tu ne te maries pas, tu ne pourras pas devenir le roi de notre royaume. Voilà notre tradition. Je le sais, mère. Bien. Ok. Adama. Ma reine. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, sublime reine de notre terre. Quelle fille rejettera la requête de notre reine? Bien. Merci. Mère, j'ai compris. Donne-moi un peu de temps pour y réfléchir. Je te reviendrai dans 2 semaines. Pas de souci. Puis-je partir? Bien sûr. Je peux partir, ma reine. Tu peux y aller, mon enfant. Devine. Hé, hey, tu sais que je suis nulle avec les devinettes. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. J'ai rencontré la reine. Hé, hey. Qu'est-ce qu'elle a dit? Maman, calme-toi. Vas-y, parle. Les dieux nous ont rendu visite. Dis-moi ce qu'elle t'a dit, non? Elle a dit que... Dis quelque maman, chose. Je suis tellement contente. Maman, elle m'a dit d'épouser le prince. Hein? Oui. Tu as dit quoi? Oui, épouser le prince. Le prince du royaume d'Amavor. Oui, maman. Hey! Les dieux de notre terre. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, maman. Mais attends. Je vais d'abord voir. Peux-tu pas danser? Danse. Hé, hey, pourquoi ne pas? Hé, hey, maman, Dieu, maman. Oui, oui, c'est moi. Ça. Oui, dis-le moi. Hé, oui, oui. Oh, Dieu. Et les yeux sont bruits. Ma chère. Maman. Je vais vendre ça, d'accord? Ou je vais revenir. Nous allons fêter ça. Maman, achète-moi à manger. Et comment ne pas le faire? À qui d'autre achèterai-je à manger? Hé, hey. Oh, Dieu. Hé. Hey. Oh. Mon prince, sois le bienvenu. Comment va le roi et la reine? Tu peux t'asseoir. Peux-tu, tes gardes peuvent nous laisser? Pourquoi? J'ai besoin de mes gardes autour de moi. Non, mon prince. Nous n'allons plus leur donner une telle opportunité de s'approcher de toi. Oui. Je vois. Alors pourquoi est-ce que c'est si sale partout? Ne sais-tu pas utiliser un balai? Mon prince,
balayer. Mes sœurs sont allées au champ. Elles le feront quand elles vont rentrer. Ou est-ce que tu as oublié que je suis à Tama et je vais me marier à toi? Et quand je vais me marier, mes servantes seront là pour faire ce travail. Pour qui se prend-elle au juste? Hein? As-tu vu la façon qu'elle nous a dit de partir de là? Alors que le prince était là. Je ne pense vraiment pas que le prince va l'épouser. Je déteste cette fille, je la déteste, je déteste Adama. N'est-ce pas parce qu'elle pense qu'elle est belle, hein? Je vais parler au prince. Comme ça, le prince ne va pas l'épouser. Oui, il ne doit pas l'épouser. N'importe quand. Je vois. Eh bien, je dois partir maintenant. Oui. Mon prince, si vite? Oui. Quand est-ce qu'on se reverra? Souviens-toi, tu as donné 2 semaines à ta mère. Oui. Laisse-moi m'occuper de ça. Je peux le gérer. Mais... Garde! Mon prince! Garde! Tu veux dire que le prince t'a rendu visite dans un cœur aussi sale? Adama, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je t'ai demandé de nous suivre au champ et tu as refusé. Et tu as aussi refusé de balayer cet endroit. Regarde comment cet endroit est sale. Est-ce ta beauté qui te déçoit ou quoi? Hein? Maman, ne sais-tu pas que je vais me marier au prince de ce royaume? Et tu t'attends à ce que je balaye cette cour alors qu'il y a mes cadets? Dis-leur de venir balayer la cour. Je suis la nouvelle reine de ce royaume. Oh, oh, yao. Adama. Maman. Hey, les dieux de notre terre. Venez m'aider, oh, car je ne peux pas le faire toute seule. Udoka. Mon prince. Je veux que tu ailles appeler Adana pour moi. Dis-lui bien que je l'attends ici. Tu sais que je ne veux pas que ses parents me connaissent pour le moment. Oui, mon prince. Adama. Quoi? Comment est-ce que tu viens de m'appeler, hein? Ne sais-tu pas que je vais me marier au prince de ce royaume? Idiot, dis-moi, pourquoi es-tu là? Parle! Mon prince m'a envoyé chez toi. Il m'a dit de venir t'appeler. Espèce de chèvre noire! Où est le prince? Il est placé en haut. Tu l'as même appelé ton prince? Et tu ne sais pas comment me parler en tant que la nouvelle reine de ce royaume, n'est-ce pas? Idiot! Maintenant, on va lui dire que j'arrive! Fou! Idiot! N'importe quoi! Compte à toi, assure-toi que le cadeau soit prêt. D'accord? Oui, mon prince. Udoka? Pourquoi est-ce que tu affiches cette mine? Elle m'a giflé. Giflé? Qui t'a giflé? Je l'ai fait, mon prince. Oui? Bien sûr. Peux-tu imaginer? Ton garde m'a appelé par mon nom? Et quel mal y a-t-il à cela? Quel mal y a-t-il à t'appeler par ton nom? As-tu changé de nom? Donc, mon prince, tu ne leur as pas dit que
Dans moins de 3 semaines, moi, je serai la nouvelle reine de ce royaume. Ils devront s'adresser à moi en tant que la nouvelle reine. Oui. Regarde-moi. Écoute-moi bien. Ne refais plus jamais ça de toute ta vie. Personne ne l'a jamais fait. Même pas mon père, le roi. Si tu ne veux pas faire face à ma colère, change. Quoi ? Je suis désolé. Mais... rentre chez toi. Tu m'as appelé ? Je veux savoir comment ça se passe entre toi et Adanna, la fille que ta mère, notre reine, t'a présentée il y a quelque temps. C'est pour cela que je suis ici. Tu es une mère. Je veux que tu me dises comment je peux trouver le vrai amour. Je veux dire une femme. De quoi ris-tu ? Mon prince, je ris parce que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu sais pourquoi ? Ton père est l'homme le plus riche dans ce royaume. Alors, le désir de toute femme dans ce royaume, c'est de t'avoir en tant que mari. Alors, non seulement les mauvaises et les bonnes se frotteront à toi. Tu as raison. Tu as pleinement raison. J'ai même reçu des avances. Je te l'ai dit. Dis-moi, que penses-tu que je devrais faire ? Ne te dérange pas. Je te dirai quoi faire. Il y a une solution. Adama. Mon prince. Il y a quelque chose que je voudrais te demander. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu m'aimes ? Je t'aime tellement. Même une personne aveugle sait que je t'aime tellement. Oui ? Je vois. Alors dis-moi, quand as-tu commencé à m'aimer ? Était-ce avant ou après que ma mère te fasse appeler ? Mon prince, pourquoi toutes ces questions ? Tout ce que je sais, c'est qu'Adanma t'aime tellement. S'il te plaît, quand irons-nous voir la reine, ta mère ? Une dernière question. Pourquoi est-ce que tu as immédiatement dit oui après ma demande ? Sans y réfléchir au préalable. Pourquoi ? Mon amour, si tu étais à ma place, je veux dire, une fille dans ce royaume, et tu avais une telle opportunité pour la maison royale, mon amour, aurais-tu dit non ? Non ? S'il te plaît, quand irons-nous voir la reine ? Ne sois pas pressé. Le temps nous le dira. Ok, mon amour, je t'aime tellement. Hé, hey, Oduka, est-ce que tu penses que le prince épousera Adama ? Je ne le pense pas. C'est pour ça que le prince a dit à la reine sa mère de lui donner 2 semaines pour connaître le genre de personne qu'elle est. Oduka, je pense que le prince aime Adama. Mais qu'est-ce que tu as fait pour pousser Adama à te gifler ? Hein ? Parce que je me demande ce qui a bien pu la pousser à te gifler. Je ne lui ai rien fait. Oh. Je n'ai rien fait, rien fait. Il n'y avait rien. Écoute, Shidi, juste la gifle que cette fille m'a donnée peut pousser le prince à ne pas l'épouser. Oui, je te dis. Hein? Écoute, elle t'a giflé. Ah, ah, mais cette fille m'a giflé. Hey. Écoute, elle m'a giflé, j'ai presque...
Cette fille est vraiment méchante. Mais bien qu'il soit vrai que la famille veut qu'Adam devienne la princesse, je sais que le prince n'aime pas Adam. J'en suis sûr. Hein? Allons-y, avant que le prince commence à nous chercher. Allons-y. Parce que Adam est une méchante fille. Elle est très méchante. Je te l'assure. Oh non, mon roi, sois la bienvenue. Mon roi, que vos jours soient plus longs. Il sait, ainsi que toi. Merci, mon roi. mon roi. Oui. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Vas-y. Mon roi, notre peuple se plaint énormément sur le retard du mariage de votre fils. Eh bien, je le sais, je le sais. Je sais très bien qu'ils se plaignent à propos du retardement. Je sais. Je sais aussi qu'ils font tout ça parce qu'ils m'aiment. Ils aiment ma famille. Je le sais, mais s'il te plaît, Ono, aide-moi à leur dire d'être patient. En fait, le mariage est un projet de toute une vie. Ce n'est pas du tout une affaire où on s'engage juste comme ça. Eh bien, mon roi, je vous comprends. Nous croyons en votre règne. Vous êtes un bon roi. Merci beaucoup. Mais c'est juste que, mon roi, vous savez que vous n'êtes plus très jeune. Vous ne rajeunissez pas. Pourquoi ne pouvez-vous pas faire un choix parmi toutes les filles que nous avons dans ce royaume? Cela n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. En fait, je ne veux pas du tout que le prince, mon fils, se lance hasardeusement dans le mariage. Parce que je ne voudrais pas du tout qu'elle commette les erreurs que j'ai commises plusieurs années de cela avant que je n'épouse sa mère. J'ai compris. Sans problème. Ne vous en faites pas. Lola. Mon roi. Le peuple se plaint. Il se plaint à propos du retard du mariage de notre fils. Ono était ici pour m'en informer. Votre Altesse, le peuple devrait se calmer. Qu'il soit un tout petit peu patient. Mon roi, ce n'est pas comme si nous ne faisons rien par rapport à ça, mais... Mon mari, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit. De quoi s'agit-il? Il y a cette fille que j'aimerais que notre fils épouse. Quoi? Vraiment? Comment est-ce qu'elle s'appelle et de quelle famille vient-elle? Elle s'appelle Adama. Et elle est la fille de Maziudo. La fille de Maziudo? Je lui en ai déjà parlé. Ils se sont déjà rencontrés et je leur ai donné 2 semaines pour y réfléchir avant que je ne te les présente. C'est bien. C'est bien pour ça que je t'aime. Cette famille n'est pas mauvaise. Pas du tout. Pas du tout. Ce que tu devras faire maintenant, c'est de les suivre et de connaître leur décision. Je le ferai, Altesse. Oui. Merci. C'est d'accord. Merci. Garde. Comment viens-tu de m'appeler? N'es-tu pas Adama? Comment oses-tu m'appeler Adama? Comment oses-tu? Comment? Quoi? Tu m'as chifflé? Bien sûr, je l'ai fait. Adama? Oui? Viens-tu de me chiffler? Moi? Adama, toi? Oui? Tu as perdu la tête, hein? Hey! C'est rien de m'empêcher. Que s'il je t'aurais fait en ce moment. S'il te plaît, je t'en prie, calme-toi. Mais que sais-tu? Oh, calme-toi. Le prince doit entendre ça, ok? Le palais doit être au courant de ça. Allons-y.
Allons-y, il n'y a pas de souci, mes chers. Allons-y. Allez, aide-la, mes chers. Qui veut dire mon mari? Aide-la à le bois, s'il te plaît. Pas les n'importe quoi. Quoi. Aide-la, s'il te plaît. Allons-y, aide-la, allons-y. Un peu, là. Allez-y. M'appelez plus Adama. Adressez-vous à moi comme la nouvelle reine de ce royaume. Idiote. Folle. Connerie. Bonjour, ma reine. Adama. Ma reine. Comment vas-tu? Je vais bien. Comment vont tes parents? Ils vont tous bien, ma reine. Ma reine, pouvez-vous dire à vos servantes de nous excuser? Pourquoi? Pourquoi faire? Dis tout ce que tu as envie de dire. Elles ont été bien élevées. Je suis désolée, ma reine. C'est bon. Ma reine, il s'agit du prince. Que lui est-il arrivé? Que lui est-il arrivé? Ma reine, voici 2 semaines que vous nous avez données pour réfléchir sur nous. Je lui ai dit de venir. Il pourra venir vous voir. Mais je ne sais pas ce qui se passe. S'il vous plaît. Donne-le-moi. Et c'est tout? Oui. Rien que ça? Oui, ma reine. C'est bon. Je vais lui parler. D'accord, ma reine. Je m'en vais. Vous avez dit qu'Adama vous a giflé. Simplement pour ne lui avoir pas adressé les civilités d'une reine. Oui, mon prince. Vous pouvez partir. D'accord, mon prince. Merci, mon prince. J'espère qu'elle sera punie. J'espère que tout va bien, mon fils. Tout va bien, mère. Ça fait plus de 2 semaines que j'ai dit à Adama et toi de faire connaissance tous les deux et de me revenir. Mais je n'ai pas de retour venant de toi. Que se passe-t-il? Mère, je préfère prendre mon temps. Je prends mon temps. Parce que je ne veux pas commettre les mêmes erreurs que mon père a commises avant de te rencontrer. Tu peux me parler, c'est quoi le problème? Mère Adama n'est pas une femme à épouser. Eh oh! Elle ne l'est pas! S'il te plaît, ne parlons plus d'elle. Fiston, je veux que tu me dises ce qu'elle a fait. Comme ça, je saurai quoi dire à ton père. Est-ce possible d'aller voir père maintenant? Fils, ta mère m'a parlé de la fille qu'elle t'a présentée comme future épouse. Alors, comment ça se passe? Votre Altesse. Oui? C'est pour cela que nous sommes ici. Ok. Il m'a dit qu'il ne va rien me dire jusqu'à ce qu'il te voie. Très bien. J'espère qu'il s'agit de la fille. Parce que tu es au courant que le peuple est en train de se plaindre. Et... nous n'avons pas beaucoup de temps. Ok? Comme j'ai dit, je ne veux pas commettre la même erreur que tu as commise avant que tu n'épouses ma mère. Je veux prendre mon temps.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Père, honnêtement, cette jeune fille n'est absolument pas faite pour moi. Ce n'est pas du tout une femme à épouser. Père, sais-tu que cette jeune fille a eu le culot de frapper l'un de mes gardes? Quoi? Oui. Qu'est-ce que tu me dis? Hein? Qu'est-ce que tu racontes, Udoka? Attends, tu veux dire qu'Adama t'a giflé et tu ne me l'as pas dit? Pourquoi? Pourquoi? Ezel, la gifle qu'Adama m'a donnée, si je n'étais pas le même Udoka que tout le monde connaît, je ne sais pas ce qui se serait passé. Hein? Mais si je te l'avais dit, l'aurais-tu giflé en retour? Hey! Et où est-ce que tu es ici? Mais attends. Qu'est-ce que tu lui as fait qui l'a poussé à te gifler? Udoka n'a rien fait de mal à cette fille. Il l'a juste appelée par son nom, Adama. Ou est-ce qu'Adama n'est plus son nom? Attends, Tidi. Es-tu en train de me dire que Udoka a juste appelé Adama? C'est ce Adama, que je dis. Et elle a giflé? C'est ça. Juste ça? À cause du nom? À cause du nom, oui. Hey! Juste ça. Donc son nom n'est plus Adama? Eh wow! Elle sera un problème pour ce palais. Elle sera un problème. Jamais. Ikwe Ozurumba doit entendre ça. Oui. Je ne peux pas cacher ça. Il doit l'entendre. Il doit être au courant. Hein? Oh! Elle se croit déjà reine. Elle pense que c'est à cause de sa beauté que le prince veut l'épouser. N'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. C'est un petit problème. Ezine, hey! Tu es la chef des servantes. Ce dont notre prince a besoin, c'est d'une très bonne femme. Adama est une fille sans manière. Elle se pavane partout comme une reine. Est-ce que tu sais qu'elle a eu le cran de gifler Ulumma et Amaka juste parce qu'elles ont refusé de l'appeler reine? J'ai entendu parler de ça. Je l'ai entendu. Et c'est pour cela que la reine a décidé de lui donner une leçon. Vraiment? La reine va lui donner une leçon. Ne vous dérangez pas pour ça. Il n'y a pas que la reine qui va la punir. Les dieux doivent punir Adama. Ne t'en fais pas. Il n'y a pas de souci. On verra bien. Écoute-moi, les dieux doivent aussi punir Adama. Tu m'écoutes? Adama. Hein? Ma reine. Je vous salue, ma reine. Ah ah, Ujunwa. Oui, ma reine. Rends-toi chez Maziudo. Dis à Adama que la reine aimerait la voir. Oui, ma reine. Merci. Ejike, votre majesté. Je t'ai amené ici parce que je voulais savoir combien de personnes. Est-ce que tu amèneras au champ? Ok, votre majesté. 50 hommes iront avec moi pour le défrichage de la forêt. 20 jeunes et 30 femmes adultes iront avec moi pour la récolte du manioc. Ok, qu'en est-il de la forêt que vous avez défrichée? Est-ce qu'elle a été brûlée? Oui, votre majesté. Je l'ai fait il y a de cela 2 jours. Mais j'irai avec 150 travailleurs pour défricher l'autre partie de la forêt avant de semer l'igname. Ah, cela me revient. Tu sais que dans 10 jours, ce sera la dernière fois où tu as donné ton dernier compte. Votre Altesse, vous avez raison. Bien, alors tu devras te préparer pour le prochain compte. D'accord, je ferai cela, Altesse. Adama. Oui, ma reine.
Est-ce que tes parents sont au courant de ta relation avec mon fils? Oui, ma reine. Il n'y a que ma mère qui le sait. Il n'y a que ta mère qui le sait. Oui. Bien. Maintenant, quand tu arriveras à la maison, je voudrais que tu dises à ta mère que la reine a annulé ton mariage avec le prince. Ma reine, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux dire, quel crime ai-je commis? Dites-moi, s'il vous plaît. Tu n'as rien fait de mal. Laisse-moi te poser une question. Sais-tu à quel point mon mari et moi sommes riches? Oui, ma reine, je le sais. Sais-tu que nous pouvons en fait acheter tout ce royaume? Oui, je le sais. Pourtant, je n'ai jamais giflé qui que ce soit en tant que reine de ce royaume. Comment as-tu osé poser un doigt sur le garde du prince? Pourquoi l'as-tu giflé? Oui, ma reine, je suis vraiment désolée. Ne me touche pas. Dégage de ma vue. Je ne le ferai plus. Bien sûr. Je ne te donnerai plus la chance de le refaire. Allez, dégage. Rat. Garde. Emmenez-la loin d'ici. Avance. Qu'est-ce qu'il y a? Que t'est-il arrivé? Pourquoi est-ce que tu pleures? Reine, Adama, quel est ton problème? Mes sœurs, ne prêtez pas attention à elles. Ne savez-vous pas que le mal que l'on fait nous revient en plein visage? Voici la preuve vivante. Adama, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu? Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, je suis finie. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Parle à ta mère, qu'est-ce qu'il y a? Maman, parle à ta mère. La reine m'a dit de te dire que... Mais dire quoi? La relation avec le prince est terminée. Oh! Adama, ne t'ai-je pas prévenue? Tu m'as prévenue. Je l'ai vu venir et je te l'ai dit. Je t'ai pourtant averti. Et tu devrais changer de comportement. Mais tu as refusé d'écouter ta mère. Maintenant, tu as vu? Maman. Toutes ces personnes que tu passais ton temps à gifler. Maintenant, elles se moqueront de toi. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Viens lui parler. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît! Ézinée. Ma reine. Je t'ai appelée parce que je voudrais parler de quelque chose de très important concernant la maison royale avec toi. Je t'écoute, ma reine. Laissez-nous toutes les deux. Ézinée. Ma reine. Nous cherchons une femme pour le prince. Connais-tu une fille bien élevée que le prince pourrait épouser? Nous ne parlons pas de quelqu'un venant d'une famille riche ici. Parce que, comme tu le sais, mon mari et moi, nous sommes très riches. Nous voulons quelqu'un qui pourra être, comme mon fils le dit toujours, une femme mariable. D'accord. Ma reine, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Le prince a déjà un plan. Un plan?
Oui, ma reine. Un très bon plan. Un plan qui va beaucoup l'aider. Eh bien, Ezine, j'ai confiance en ton jugement. Merci, ma reine. J'attendrai et regarderai. J'attendrai. Merci, ma reine. Loma, est-ce que tu sais que notre reine et son mari, le roi, sont trop gentils? Ma chère, ils sont extrêmement bons. Tu viens de l'apprendre, mais... Attends, ma chère, pourquoi demandes-tu? Regarde à quel point ils sont riches. Ils ont des relations. Pourtant, ils cherchent une femme pour notre prince, mais pas d'une famille riche comme eux. How? Tu aurais aimé quoi? Qu'aurais-tu aimé? Que notre prince, hein, t'épouse, toi cette fille, t'épouser, avec ce comportement affreux que tu as. Pardon, Oulako, Odiongwa, la reine-mère veut vous voir. Pourquoi? Je ne sais pas. Viens, allons-y. Père? Oui? Ne penses-tu pas que toutes les jeunes filles de ce royaume veulent m'épouser? C'est vrai. Oh. Alors, que comptes-tu faire? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller dans un autre royaume. J'ai décidé d'y aller de façon anonyme et faire semblant de ne pas faire partie de la royauté. J'ai réellement envie de trouver une fille qui m'aimera pour ce que je suis. C'est très bien. C'est une bonne idée. Tu es vraiment le fils de ton père. Alors, comment as-tu eu cette idée? Que les dieux de nos ancêtres soient avec toi. Ici. Mon fils, et dans quel royaume est-ce que tu comptes y rendre? Et où tu ne seras pas reconnu comme le fils d'Igwe Ozorumba? Ne t'en fais pas pour ça, père. Je m'en occuperai. Tu en es sûr? Oui, père. Alors, très bien. Mon roi? Oui. Longue vie à vous. Merci beaucoup, et à toi aussi. Merci, roi. Vous m'avez appelé. Oui, je l'ai fait, je l'ai fait. Sois la bienvenue. Merci, mon roi. Ah, il s'agit de notre prince, mon fils. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Ah non, non, il n'y a aucun problème. Ok. Il n'y a pas de problème. En fait, nous avons fait du chemin au Nobu. Tu étais présent. Tu as été témoin de tout le stress que j'ai traversé lors de mon premier mariage. Et voilà ce que j'essaie de corriger maintenant, afin que notre prince ne passe pas par les mêmes choses. Et en fait, la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est de te faire savoir que, dans très peu de temps, notre prince voyagera pour un autre royaume, à la recherche d'une femme. Mon roi, oui. Vous voulez dire que vous avez accepté que notre prince quitte notre royaume? Et aille dans un autre royaume à la recherche d'une femme. Qu'en est-il de toutes les filles que nous avons dans notre royaume? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Oh non, tu sais, quand je me suis marié à la fille de Chief Okafor, oui. Tu as vu ce qui s'est passé. Qui aurait pu croire que la fille de Maziudo pouvait aller aussi loin jusqu'à gifler l'un de nos gardes. Pas seulement ça. Elle a aussi giflé deux filles qui revenaient de la rivière. Pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'elles ne lui ont pas bien parlé en tant que future reine. Regarde un peu ça. Mon roi. Mais mon roi, dans quel royaume notre prince ira-t-il? Nous ne le savons pas encore. Quand il sera là-bas, il nous le dira et ensuite je te le dirai. Oui. Eh bien, mon roi, vous avez parlé. Oui. Que les dieux le protègent. Il sait. Ojoa. Oui, ma reine. Je n'ai pas pu trouver mes perles noires. Où les as-tu gardées? Ma reine, je les ai posées sur votre lit.
Et dites-moi, d'où est-ce que viennent ces deux filles? De notre village maternel, où va notre grand-mère? Mère, je suis prise de nous voir, pas vrai? Oui. Mère, où est père et le prince, notre frère? Ils doivent être quelque part aux alentours du palais. Comment va ma mère? Elle va très bien. Mère, cette femme est tellement forte. Je sais. Mère, nous sommes ici pour savoir si ce que nous avons entendu sur notre frère, le prince, est vrai. Je ne sais pas ce que vous avez entendu et qui vous l'a dit. Mère, pourquoi est-ce que père et toi avez soutenu notre frère de quitter un royaume pour un autre, uniquement à la recherche d'une femme? Oui, mère. Est-ce que cela veut dire que nous n'avons pas de bonne fille ici? Dis-moi, as-tu oublié qu'il est ton fils unique? Et je suis sûre que toutes les deux, vous n'avez pas oublié l'histoire que votre père vous a racontée sur son premier mariage. Il ne veut pas que ce qui lui est arrivé arrive à votre frère. Il va traverser beaucoup d'épreuves là-bas. Et j'espère que père et toi êtes au courant de ça. Oh bien, Odjo, attendons et parlons-lui d'abord. Vous êtes toutes les deux rentrées hier soir sans vos servantes. Et mère m'a dit que vous avez dit que vous êtes fatiguée de vivre avec grand-mère. Pourquoi? Frère, nous sommes partis de là. En fait, on voulait retourner, mais mère nous a empêchés de partir. Bien sûr qu'elle devait vous empêcher de rentrer. Il était très tard. Pourquoi êtes-vous ici, si je peux me permettre? Pourquoi êtes-vous venus? Nous sommes venus parler de ce que nous avons entendu. Vous voulez me dire que vous avez fait tout ce chemin juste pour moi? Oui, bien sûr. Tu es un prince d'une famille riche et le fils unique d'un homme riche. Frère, pourquoi as-tu choisi de partir ainsi? Mon frère Obisike, alors, laquelle de ses filles, appelée une épouse, est venue dans ce palais pour se foutre la honte? De quel royaume et famille vient-elle? Mettons ça de côté, ne parlons pas de ça. Une chose est certaine, c'est... Je ne compte pas rester là les bras croisés à me regarder commettre les mêmes erreurs que notre père a faites avant de rencontrer notre mère. Tout ce dont j'ai besoin venant de vous, c'est votre soutien. Et tout ira bien. Eh bien, si tu le dis, que les dieux de notre terre te guident et te protègent pour nous. Ici. Alors, mon prince, dans quel royaume iras-tu? Eh bien, je n'en sais rien pour le moment. Préparez-vous, vous allez retourner chez grand-mère. Frère! Oui. Ezine, Odoka Ichine, mon frère a dit qu'il voyagerait avec vous. Oui, je les ai déjà informés. Chidi, Odoka, je sais que tous les deux vous parlez beaucoup. Je ne voudrais pas que l'un de vous se mette à m'appeler prince ou que vous révéliez mon identité quand nous serons là-bas. S'il vous plaît. Est-ce assez clair? Oui, mon prince. Ezine, je veux suggérer ceci. Pourquoi n'agis-tu pas comme une mère pour mon frère le prince et Odoka et Chidi comme des frères? C'est intelligent de ta part. C'est très intelligent. C'est une bonne idée. C'est très intelligent. Personnellement, j'adore cette idée. C'est pour ça que je t'aime. S'il vous plaît, vous devez faire très attention. Oui. S'il vous plaît,
comme je l'ai dit, vous devez faire très attention. Parce que une fois que le secret sera révélé, cette mission sera inutile. Et mon père ne le prendra pas à la légère. Mon prince, ce ne sera pas facile. Mais nous ferons de notre mieux. Oui. Par la grâce des dieux de notre terre, nous allons réussir. Ici. Mon prince et mon unique frère, nous vous souhaitons tout le meilleur. Je crois qu'un jour aussi, nous allons nous déguiser pour trouver nos princes. Très bien. C'est vraiment incroyable. Oui, tu peux le redire. Et je peux vous promettre. Pourquoi laissez-vous toujours mes enfants sortir de ce palais? Sans protection. Désolée, ma reine. Nous sommes désolés. Vous êtes désolée? Je déteste les personnes qui sont désolées. Faites toujours ce qui est juste et arrêtez d'être désolée. Laissez-moi vous dire quelque chose. La prochaine fois que vous laisserez mes enfants partir d'ici, sans protection, vous n'aimerez pas ce que je vous ferai à vous toutes. Est-ce que c'est clair? Oui, ma reine. Dégagez de ma vue. Je vous ai tous réunis ici, spécialement Ezine, Udoka et Chidi, pour vous faire savoir que vous allez voyager avec mon fils d'un moment à un autre. Et j'espère que vous connaissez tous la raison de votre voyage. Alors personne ne devra révéler ce secret. Bien, en aucun cas. Vous ne devrez vous adresser à lui, comme le prince là-bas. Oui. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, peu importe la difficulté par laquelle vous passerez, personne ne devra révéler le secret. Puisque c'est ainsi qu'il a voulu lui-même choisir sa propre femme, alors soutenons-le. Et toi, le prince? Oui, père. Quand tu seras là-bas, sois ferme. Ne te laisse surtout pas emporter par quoi que ce soit la beauté ou autre chose. Père, je promets de ne pas te décevoir. Ok. Je suis le fils unique de cette famille royale et je sais ce qui est bien pour moi. Ça, c'est très bien. Altesse. Oui. Nous n'allons décevoir aucun de vous. Très bien. Ok, c'est d'accord. Et vous allez tous partir demain à la première heure. Puissent les dieux de nos ancêtres être avec vous. Ezine. Ma reine. Ezine, je te confie mon fils. S'il te plaît, prends bien soin de lui là-bas. Je le ferai, ma reine. Merci beaucoup, mère. C'est bon. Tout ira bien. If any man will
Reposons-nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Reposons-nous. Reposons-nous. Nous devons nous reposer. Vous allez maintenant m'écouter. Nous nous sommes tous engagés, n'est-ce pas? Et t'es-tu rendu compte de comment tu m'as appelé, mon prince? Écoutez, que ce soit bien la dernière fois que l'un d'entre vous m'appelle mon prince. Dorénavant, mon nom est Obisike. Est-ce que tout est clair? Désolé, mon prince, mais... Ezine, il en va de même pour toi. Désormais, je ne suis plus le prince. Mon nom est Obisike. Allez, les gars. Nous sommes juste à quelques pas de ce village. Nous y serons bientôt. Mais... Mon prince, désolé. Obisiké. Mais nous sommes toujours très loin de là où on va. Hein? Chidi, tu m'as entendu. Nous ne sommes plus qu'à quelques pas du village. Allons-y, je vous en prie. Levez-vous. Mon prince, s'il te plaît, donne-nous un peu plus de temps pour... Désiné, lève-toi et allons-y. Ejike, Altes, tu as bien fait. Merci beaucoup. Oui, tu as vraiment été constant dans tes comptes. Un dicton en notre langue dit ceci. Eto dikenakono, emasa. Et tant que tu continueras à avoir un bon cœur, cette famille continuera à travailler avec toi. Merci beaucoup. Nous sommes contents de faire des affaires avec toi, d'accord? D'accord. D'accord. Lolo? Igwe. As-tu quelque chose à lui dire?
Eh bien, Ejike. Ma reine. Ce que je te dirai maintenant, je le dirai en autre langue. D'accord. Oya sejine koji. Emanoni non, vraiment. Ça, c'est vrai. Alors, continue. Merci. Je ferai plus que cela. Bien, c'est très bien. Ce qu'on va faire, c'est que... Va derrière la maison. Il y a un sac que j'ai gardé là-bas. Derrière le siège. Et le contenu est à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ma reine, merci. Merci d'accord, beaucoup. D'accord, c'est d'accord. C'est d'accord. Arrache ça. Tu en es sûr? Je ne pense pas. Pourquoi c'est aussi blanc? Tu ferais mieux d'arracher. Udoka. Oui, maman. Tire ta main de cet arbre. Hein? Tu veux le détruire? Je l'ai laissé exprès pour qu'il produise des graines. Alors ne pose pas ta main dessus. Laisse ça grandir. Ah, maman, est-ce que je vais manger les graines? Je ne vais pas manger les graines. Je vais manger juste le légume. Regarde-toi. Aussi grand que tu es, tu ne sais pas que les graines produisent les feuilles. Pas de graines, pas de feuilles. Regarde-toi. Tu n'as qu'une tête de mule. Où est Obisike? Maman, on dirait qu'il est derrière. Quand il va revenir, dis-lui que je suis allée voir certains anciens. Ah, maman, pourquoi pars-tu voir les anciens? Il y a un problème? Tout va bien. Je veux aller les rencontrer pour qu'ils nous donnent des travaux, pour nous subvenir. Sinon, comment allons-nous faire dans ce village? On n'a rien. Mais, maman, je propose qu'avant d'aller voir les anciens, il faut d'abord aller voir le nouveau. Il pourra t'écouter. Voilà ma suggestion, Chidine. Je ne sais pas, que penses-tu? Ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas du tout. Je ne t'ai jamais entendu parler de la sorte. Tu as vraiment changé. Je ne sais pas, maman. Udoka. Étais-tu obligé de parler? Nous sommes ici pour une mission. Étais-tu obligé de... Bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue. Naï, bonjour. Bienvenue, s'il vous plaît, asseyez-vous. Bonjour. S'il vous plaît, qui êtes-vous et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je m'appelle Ezine. Je viens du village d'Amafor. Je viens de là avec mes enfants. Mon mari est mort il y a quelques années. Et mes frères de mon mari ont commencé à m'accuser que j'étais responsable de la mort de mon mari. Quoi? Mais ce n'était pas vrai. Mon mari est tombé malade et est mort. Ils m'ont même chassé mes enfants et moi hors du village. C'est pour cela que nous sommes venus ici chercher un refuge. Pourquoi? Désolé. Présentement, que voulez-vous que je fasse pour vous? Onowu, s'il vous plaît, je veux que vous et votre peuple nous donniez du travail à faire. S'il vous plaît, n'importe quel travail, peut-être l'agriculture, au moins quelques parcelles de terrain à cultiver. S'il vous plaît, mes enfants sont très forts. Même moi, ne prêtez pas attention à mon âge. Je peux faire n'importe quel travail. S'il vous plaît, Biko. Aidez-nous, je vous en Quoi? Supplie. Levez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Levez-vous. J'ai compris ce que vous avez dit, hein? Mais j'aimerais voir vos enfants. Ce n'est pas un problème. Je vais vous les amener aujourd'hui, d'accord? OK? D'accord. Je viendrai avec eux ici. D'accord. Merci, d'accord? Que les dieux vous bénissent. Merci. Merci, d'accord? Naïo, no.
Comme je t'ai dit que j'allais revenir, voici mes enfants. Je t'ai dit que j'allais les amener avec moi. Bonjour, Renaud. Merci. Soyez les bienvenus, mes enfants. Merci beaucoup. Eh bien, je mettrai les autres anciens au courant de ça. Hein? Et nous verrons quoi faire. C'est vraiment gentil. Merci, d'accord. Ono, merci beaucoup. S'il te plaît, il faut que tu nous aides. Nous sommes prêts à faire n'importe quoi. Nous sommes prêts à travailler. Nous pouvons tout faire. Hein? Biko. Oui, Ono. Nous sommes prêts à tout faire pour nous assurer de survivre. Donnez-nous juste des travaux. On les fera. Ezine, j'ai compris. Je vais vous aider. C'est d'accord. Ezine, tu as des beaux fils. Oh non, je te remercie pour le compliment. Celui-ci, c'est ma photocopie. Celui-ci ressemble à mon défunt mari. Et celui-là ressemble à mon arrière-grand-mère. Oui. Ton mari est aussi court. Oui. Bonjour, ma princesse. Bonjour, princesse. Maman, bonjour, pourquoi fais-tu ça? Bonjour, princesse. S'il te plaît, la prochaine fois, ne le fais pas, je n'aime pas ça. S'il te plaît. D'accord, ma princesse. Merci, maman. Merci, princesse. Obiseke. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la regardes-tu comme ça? Pourquoi? Nous devons aller travailler. Avance. Tu connais ces gens? Non, ma princesse. Mais je pense que Nam, ton amie, les connaît. Peut-être qu'elle pourra te le dire mieux que moi. C'est bon, je la verrai plus tard. Allons-y. Chers notables, je vous salue tous. Il est dit chez nous que qu'il vaudrait mieux chercher une chèvre noire quand il fait jour, avant que la nuit ne tombe. Ce que je veux dire, c'est que nous devons commencer à nous préparer pour notre prochain festival de l'Inyama. Oui, mon roi, vous avez raison. Parce que ce dont nous sommes en train de parler approche. Nous devons commencer les préparatifs maintenant. Oui, nous le devons. Mais je voudrais vous informer que nous avons des étrangers dans notre royaume. Ils ont besoin de notre aide. Oh non, si je peux demander, que devons-nous faire? Selon cette femme, elle a dit qu'elle est une veuve. Elle est ici avec ses grands enfants. Ils veulent vivre dans notre royaume. Et cette femme, selon elle, elle a dit qu'on l'a chassée dans son royaume. Ils ont vraiment besoin de notre aide. S'il vous plaît, mes anciens, s'il y a un moyen que l'un de nous puisse être capable de les aider, que ce soit en clavage champêtre ou n'importe quoi, ce sera bien. Chers notables, vous avez tous entendu ce qu'a dit le Novo. Alors, dites à vos familles, s'ils ont quoi que ce soit, des travaux champêtres ou n'importe quoi, les champs de coton,
et ainsi de suite. S'il vous plaît, assistez-les. Vous savez que nous avons toujours accueilli les étrangers. Pas de soucis. Alors montre-leur notre hospitalité habituelle, s'il vous plaît. Naïono, je vous salue. Ma chère, où vas-tu? Je vais chez Ichi et Bubé. Je veux aussi lui parler de notre situation et voir s'il y a moyen qu'il nous aide. Ne te dérange pas. Je l'ai dit à tous les anciens. Même le roi a dit qu'il veut te voir avec tes enfants. Hein? Oui. Vous l'avez fait? Je l'ai fait. Mais attendez, Onou, vous l'avez dit à tout le monde. Écoute, ce que tu vas faire maintenant, c'est me suivre. Je vais te montrer une parcelle de mon terrain où toi et tes enfants, vous allez travailler. Hey, je n'arrive pas à le croire. Voici la nouvelle que j'attendais. S'il vous plaît, allez me montrer le terrain. S'il vous plaît, allons-y. Alors, qu'allez-vous donner à vos enfants? Cela n'est pas un problème. Je leur donnerai une pièce à chacun. Et quand ils auront terminé, qu'ils viennent à la maison prendre l'argent. D'accord. Merci beaucoup. Tu nous aides énormément. Tu sais vraiment. Alors, quand vont-ils commencer? Quand veux-tu qu'ils commencent? Ils peuvent. Ils peuvent commencer même demain. Qu'ils commencent demain. Oh, pas de souci. Pas de souci. S'il te plaît, dis-leur, hein, qu'ils ne touchent à aucun arbre dans ce terrain, qu'ils ne coupent aucun arbre parce que je vais planter l'igname dans ce terrain. Oui. Et quand ils auront terminé, souvenez-vous d'aller voir le roi. C'est compris, je n'oublierai pas. Dès qu'ils auront terminé avec ton terrain, je vais personnellement les amener au palais. Merci beaucoup, oh. Je suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup. Ezine. Oui. Bienvenue. Mon père m'a dit de te donner ça. Tiens.
Ma. Bonsoir, Ma. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien. D'où est-ce que tu reviens? De chez toi. Je suis allée donner à ta mère l'argent que mon père m'a dit de lui donner. Tu es censé être au champ. Oui. Mes frères y sont encore. En fait, il faut que j'aille faire quelques courses pour ma mère. Ok, pas de problème. Ma? Tu es très belle. Merci. Je dois avouer que tu es sans doute l'une des plus ravissantes jeunes demoiselles de ce royaume. Qui t'a donné ce prénom, Ma? Mes parents, bien sûr. Est-ce qu'il y a un problème? Oh, non. C'est, je pense, un très beau prénom qui va bien à la jeune fille qu'il porte. Ma. Pardonne-moi de dire ça, mais je pense que je suis en train de développer des sentiments pour toi. Désolée. Obisike, qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis sérieux. Rien. Qu'y a-t-il de drôle? Rien. C'est bon. Écoute, Obisike, tu dois partir et revenir parce que je suis sûre que tu n'as rien mangé depuis le matin. Ma? Ma? Ma. Bonjour, Ma. Bonjour. Il faut que je te dise que tu es particulièrement ravissante ce matin. Merci. Tes parents sont sûrement allés au champ? Oui, et j'irai les rejoindre bientôt. Ok. Je suis venu te parler de ce que je t'ai dit la dernière fois. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Ma, écoute-moi. Je suis un jeune dynamique qui ne veut rien d'autre que trouver le véritable amour. Ou est-ce à cause de mon statut? Mungwaniyamechi. Personne ne connaît l'avenir. Ah, je t'aime tellement, Ma. Moi, Ma, je connais ton avenir. Oh, est-ce que tu l'as laissé à la maison avant de venir? Je connais ton avenir. Écoute, Obisike, laisse-moi tranquille et va chercher ton genre. Va chercher ton genre. Je ne suis pas ton genre. Ne peux-tu pas le voir? Avant que ces crachats ne sèchent, tu dois dégager de cette concession. Ma, comprends-moi. Essaie de te mettre à ma place. Ma, écoute, je t'aime. Je t'aime tellement. Donne-moi juste une seule chance. Je suis prêt à t'aimer de tout mon cœur. S'il te plaît, ne me rejette pas. D'accord, je t'aime aussi. Oh, je t'aime. Tu sais que je ne t'ai rien fait quand tu es venue. Ne t'en fais pas. T'es sérieuse? Oui, je t'aime. Je t'aime. Oh. Ne t'en fais pas, mon père nous a gardé du vin de palme. Je vais l'apporter. Ne t'en fais pas. Pourquoi? Est-ce que tu ne l'as pas dit? Ne t'en fais pas, je vais l'apporter. Juste, attends-moi là. Ouais, je le savais. Je le savais. C'était évident. Attends.
Non, reviens, reviens, je vais découper tes jambes. Idiot, tu es amoureux de moi. Que les dieux te frappent. Tu viens boire le vin de palme. N'importe quoi. Tu vas me tuer dans cette maison. Knight, tu sais bien que je ne mens pas. Si tu le dis. Je me suis assez retenue. Qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas cet idiot qu'on appelle Obisike? Qu'est-ce qu'Obisike a fait? Obisike me dérange tous les jours. Il me barre sur tous les chemins. Il m'envoie des gens que je ne connais pas. Il me dit qu'il veut m'épouser. Quoi? Attends. Est-ce parce que je suis proche d'eux? Je leur manque mon soutien et je les aide. Est-ce parce que je me rapproche des aînés et ses enfants? Nai, c'est ce que tu dis? Je suggère qu'elle se marie à Obisike. Mère! Obisike est très humble et un jeune homme travailleur. Hein? Il fera un très bon mari. Voilà ma suggestion. Ma fille, écoute. S'il te plaît, hein? À partir de maintenant, ta mère accouchera un autre bébé qu'Obisike va épouser. Mais en ce qui te concerne, jamais. Nam, laisse-moi te dire. Moi, Indo Kakaflowa, Obelegon, Onwa, marie-toi à Obisike. Il est un bon mari et un jeune homme travailleur. J'en ai terminé. Mère, quand tu t'es mariée à mon père, il n'était pas pauvre. Et tu veux que je me marie à cette pauvre chose misérable? Il est pauvre, mais il est très humble. Tu ne rajeunis pas. Ne me fais pas rire. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux qu'elle épouse un pauvre type et pourtant tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je ne t'ai pas rejeté. Merci, père. Mère, ne me force pas. Prépare-toi. Prépare-toi à accoucher un autre enfant. Nai, arrête de la soutenir. Hey, Odoka Ishidi, comment vous allez? Où vas-tu? Nous allions chez toi. Je vais chez vous voir votre mère alors. Qui allez-vous chercher chez moi? Notre frère nous a envoyé chez toi pour te dire à quel point il t'aime. Et il veut même t'épouser. Hey! Il veut faire quoi? T'épouser. Hey, tu es de notre terre. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est quoi cette punition? Quelle punition? Votre mère à la maison. Oui. En fait, oui, elle est à la maison. Est-ce qu'il y a un problème? Non, aucun problème. Je vais la voir maintenant. Ma, bienvenue. Ma fille. Bienvenue. Ma chère, pourquoi t'as cette mine? Qu'y a-t-il? Je suis venue te dire d'avertir ton fils Obisike. Avertis-le de me laisser tranquille. Ma chère, calme-toi. Belle fille, calme-toi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Dis-moi que... Qu'est-ce qu'il y a? Parmi toutes les filles de ce royaume, c'est moi que ton fils Obisike a choisi comme ami. S'il te plaît, avertis-le. Je ne veux plus le voir. Près de moi encore. Près de moi encore. Maman, s'il te plaît, avertis-le. Arrête-moi. Écoute-moi. Que les dieux m'en soient témoins. Je ne veux pas seulement d'une relation amicale entre nous. Je veux que tu deviennes ma fille. Hey, qu'est-ce que tu fais? Que les dieux de cette terre ferment ta bouche. Hein? Obisike, ce sera la dernière fois que je t'avertis. Ce sera la dernière fois que je t'avertis. Je ne veux plus te voir près de moi. Sinon, maman, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenue. Hey! Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, ne t'en fais pas. Je pense que je dois aller voir son père. Tu iras voir qui? Voir son père pourquoi? Hein? Que veux-tu avoir avec cet animal? Elle est vraiment un scorpion. Allons-y.
As-tu vu Adamna récemment? Non. Hey, qu'est-ce qui est arrivé? Ma chère, tu as raté. Raté quoi encore? Après que notre reine l'ait chassée du palais. Ma chère, si tu la vois maintenant, tu ne la reconnaîtras plus. Quoi? Vraiment? Quelqu'un qui n'était pas marié. Elle passait son temps à se pavaner comme la reine de ce royaume. Bien fait pour elle. Mais attends, ça fait longtemps que je n'ai pas vu notre prince Obisike. Il me manque. Mais tu as raison. Moi aussi, je ne l'ai plus vu. Depuis qu'il a voyagé, il n'est toujours pas rentré. Mais moi, il me manque également. Ma chère, ce n'est pas le sujet. Essaie de voir Adamna. Tu dois la voir. Anakake Nekwam, pourquoi? Tu dois la... Putain. Pardon, pardon. La voir, pourquoi? Où est cette femme? Ezene. Mais Onohu. Ezene. Onohu, bienvenue. Ezene, ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas. S'il te plaît. Garde ta politesse et garde ton hospitalité. Tu as vu le résultat de notre rapprochement. Tu as vu ce que tu m'as causé. As-tu vu? As-tu vu? Et qu'est-ce que j'ai fait de mal, Naïono? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, Ezine. Tu as fait pire. Écoute, écoute. Donc, parmi toutes les filles de ce royaume, c'est mon unique fille qui est devenue celle que ton fils, Obezike, a choisi d'épouser. Tu as menti. Hey. Ah, écoute. Va leur dire que ça ne marchera pas. Hey. Dieu de notre terre. Hey. Sobu Ebemaru. Écoute, femme. Sobu Ebemaru. Écoute, femme. Écoute, écoute. Écoute-moi et écoute-moi attentivement. S'il te plaît, avertis ton fils. Avertis-le. Sinon, je ne viendrai plus ici pour parler de cette affaire. Hey. Sobu Ebemaruo. Ewezuka kwazuku wae. Amwa kwa kodipem. Akwa kodikama. Ono u. Ono uwe. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça, oh? Mon roi, tu m'as appelé? Oui, ma reine, je l'ai fait. Assieds-toi, s'il te plaît. En effet, je t'ai appelé pour te rappeler que nous devons commencer les préparatifs pour défricher les autres terrains afin que nous commençons à cultiver nos ignames. Tu sais que c'est la saison des cultures. J'ai déjà fait appeler les enfants de Ezine. Demain, ils iront le terminer. C'est vrai? Oui, je l'ai fait, mon roi. C'est vraiment gentil de ta part. Tu anticipes toujours les choses. C'est pour cela que tu es ma reine. Devine quoi? Vas-y, dis-moi. J'ai cuisiné ton plat favori. Au fond, le monde. Ma reine, je te rejoins bientôt. Je dois m'en aller maintenant. D'accord, d'accord. C'est très bien. Ma reine, vous nous avez fait appeler. Oui. Je veux que tes frères et toi, vous alliez défricher mon champ. Voyez-vous pourquoi j'ai dit que nous sommes chanceux? Merci, ma reine. Quand vous aurez terminé, venez au palais pour prendre votre argent. Que les dieux vous bénissent, ma reine. Merci beaucoup. Garde, dirigez-les. Princesse, bienvenue. Merci beaucoup. Ma, je suis venue passer un peu de temps avec toi. Alors, comment va ta famille? Ils vont bien, mais ils sont allés au champ. Ok. Princesse, mon amie, tu sais ce que je traverse maintenant. Qu'est-ce qu'il y a et qui te trouble cette fois? N'est-ce pas ce stupide garçon? Cette misérable chose qui demande mon amitié. Ma, pourquoi le traites-tu de la sorte? C'est très mal. Parmi toutes les filles dans ce royaume, Obisike n'a vu aucune d'elles. C'est moi, Ma, qui l'a vu. Il va devenir aveugle. Ma, ces gens viennent d'une famille pauvre.
comme nous l'avons entendu. Il est très fort et il pourra devenir riche demain. Alors va lui dire de me laisser tranquille jusqu'à ce qu'il devienne riche comme La princesse, que j'aille lui dire quoi? De te laisser tranquille? Je ne t'en veux pas. Au bien que, on y va. Tu n'es pas arrivé à ce point, non? Mais reviens, princesse. Je suis venue te demander, est-ce que tu connaissais ces gens avant maintenant? Quels gens? Je parle des aînés et ses enfants. Non, je ne les connaissais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami, tu es allé trop loin. Nani. Ma princesse. Nani. Bienvenue, tu es là. Père. Oui. Merci. Comment va sa majesté? Mon père se porte bien. Sois la bienvenue. Père. Ma, à plus tard. D'accord, père. Pourquoi tu t'es plaint chez ton père? Ma. Qui a poussé ton père à aller avertir cette pauvre veuve? Pourquoi est-ce que je ne me plaindrai pas chez mon père? Est-ce que tu connais le nombre de fois que j'ai averti Obisike et ses frères de me laisser tranquille? Ma, si tu avais insulté ce gars, serais-tu rentrée pour le dire à ton père? Qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas Obisike? Celui qui court après ta fille, ne vient-il plus chez toi? Mon ami, il ne vient plus. Depuis que ma fille Ma a refusé de l'épouser, il ne vient plus chez moi. Et tu sais que je ne peux pas la forcer à épouser celui qu'elle ne veut pas épouser. Oui, ne la force pas. Les enfants de nos jours, laisse-les faire leur choix. Tu ne peux pas choisir à sa place, car tu risques de le regretter. Ah, pauvre garçon. J'aime ce garçon. Viens, allons-y. Il est très humble. J'aurais aimé que ma fille l'accepte en tant que mari. Il n'y a rien que tu puisses faire. Je ne vais pas la forcer. Allons-y. Ma chère, allons-y. Je voudrais avoir votre avis à tous les deux sur quelque chose. Devrais-je continuer avec Ma? Ou alors il faut que j'arrête de la voir. Ne cours plus derrière Ma, je crois qu'elle ne t'aime pas. Obisike, laisse-moi te dire. Son père ne sera pas content avec nous. S'il te voit te rapprocher de sa fille, alors Obisike, je suggère que tu cherches une autre fille. Oui, je suggère que tu essayes avec Ola. Si c'est le mal, elle va t'accepter. Mais j'aime Ma. J'aime Ma de tout mon cœur. Vous savez, parfois, certaines filles peuvent être amoureuses de quelqu'un et n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments. Elles choisissent de faire semblant. Obisike, attends. Es-tu en train de nous dire que Ma fait semblant ou quoi? Voilà. C'est ça que j'ai besoin de découvrir. Mais je pense que Ma fait semblant. Écoute, je ne pense pas qu'elle fasse semblant. Si Ma ne faisait pas semblant, elle ne l'aurait pas dit à son père. Laisse-moi te dire, Obisike, cette fille n'a pas d'amour pour toi. Venez les gars, on doit y aller. Mon prince, Ma ne t'aime pas. Hein? Probablement que si tu lui dévoiles ta vraie identité, elle t'épousera immédiatement. Comment peux-tu dire ça? Que viens-tu dire? Tu sais que je ne peux pas. J'ai promis à mon père que je ne dévoilerai pas mon identité à une femme pour faire en sorte que celle-ci m'épouse. Écoute, si jamais elle m'aime, alors elle m'épousera comme je suis. Voilà où est le problème, mon prince. Elle ne t'aime pas. Allons-y. Allons-y.
Mes salutations, cher notable. Igwe. J'ai convoqué cette réunion pour parler de notre festival qui va se tenir dans les deux prochains mois. Comme vous pouvez tous le voir, nos routes sont broussailleuses. Nous devons appeler les jeunes pour qu'ils les défrichent et garder l'environnement propre. Oui, Igwe, vous avez raison. Les jeunes doivent le faire. Au moins à une semaine du festival. Et Boubé a raison. Comme ça, ce serait propre partout avant le festival. Igwe. Nous allons commencer à inviter les villages voisins et les informer à temps. Comme ça, ils pourront aussi se préparer également. Igwe, si je peux suggérer, est-ce qu'il y a moyen pour nous d'inviter Igwe Yorumba, le roi du royaume d'Amafo? Parce que j'ai entendu parler de cet homme il y a longtemps. Est-ce qu'il y a moyen pour nous de l'inviter? Eboubé, cet homme, ce serait un très gros problème pour nous. D'amener cet homme dans notre royaume. Si nous le faisons, ça sera bien. Mais je ne vois pas la possibilité. Je ne vois pas la possibilité. Il est un grand homme. Oui. Igwe Ozurumba, du royaume de Mafar, est un homme influent et riche. La possibilité de l'amener ici, elle ne sera pas facile. Mais depuis que je suis devenu le roi de ce royaume, je l'ai vu qu'une fois. Juste une fois. Et oui, je l'ai vu qu'une fois. Alors, mais, je sais pas. Igwe, je pense qu'il n'y a pas de mal à essayer. Ouais. Essayons. Et assurons-nous d'amener cet homme ici, Igwe. Si nous amenons Igwe Ozurumba ici, ce sera un plus pour votre règne. Oui. C'est une bonne idée. C'est vrai. Alors, organisons-nous. Tout à fait. Et amenons-le. Eboubé. Oh non. Eboubé. Comment vas-tu? Mon frère, je vais bien. Oh non. Je venais en fait chez toi. Mais pourquoi? Il y a quelque chose dont j'aimerais parler avec toi. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose dont j'aimerais parler avec toi. Ne crois-tu pas qu'à travers cette femme, à travers cette Izine, nous pourrons nous approcher d'Igwe Ozurumba? Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Eboubé, non, tu n'as pas entendu que Igwe Ozurumba a banni Izine et ses enfants de son royaume. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Où est-ce que tu penses que le grand Igwe Ozurumba, le tout-puissant Igwe Ozurumba, va accepter qu'Izine, qui ramasse des choses à manger dans notre royaume, d'aller le voir? D'accord. Comment pouvons-nous avoir cet homme? Parce que je veux le voir, je ne sais pas, je serais très content de le voir. Je veux le voir de mes propres yeux. J'ai beaucoup entendu parler de lui. Maintenant, tu parles. Tu commences à bien parler. Mais moi, je ne sais pas. Je serai content, quel que soit le jour. J'utiliserai mes yeux pour voir cet Igwe. Aïe, je louerai nos dieux. Oh non. Igwe Ozurumba. Je veux le voir. La façon dont j'ai entendu parler de ce homme partout, à quel point il est riche. On dit même qu'il a quelque chose qu'on appelle... j'ai oublié, je ne sais pas, un truc en fer. Cet homme utilise pour couvrir sa maison. Hein? On le verra certainement. Les tu allais où déjà? Je vais dans ma belle famille. Pourquoi ne pouvons-nous pas aller chez toi? Ou alors tu n'as plus du vin de palme? Tu sais ce que le j'aime. Le vin de palme et toi. Allons-y, j'en ai un peu. D'accord. Chez moi. Le cerf bleu détend les tresses. S'il te plaît, laisse-les. Elles sont mes amies.
Mes amis, soyez les bienvenus. Merci. Ah, princesse, tu te coiffes. Oma, oui. Aide-la à terminer sa coiffure, comme ça on pourra aller d'accord. voir. D'accord. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Aucun problème. Je veux qu'on aille la voir, comme ça on pourra parler du festival qui approche. D'accord. Princesse. Dans ce cas, allons-y. D'accord. D'accord. Pas de soucis. Obiako, allons-y. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Bonjour, bienvenue, maman. Mes enfants. Princesse, comment vas-tu? Je vais bien. Maman, où est Ola? Ola? Oui. Ah, elle est derrière la maison. Merci, d'accord. maman. Bienvenue, mes merci, enfants. Merci, d'accord. Maman. Merci. Oh, merci, bienvenue. Né, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, mes enfants. Soyez les bienvenus. Maman, qu'en est-il de Mazi et Boubi? Ça ne fait pas longtemps qu'il est sorti. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Non, pas de problème. Aucun problème. Il va bientôt rentrer? Oui. Ok. Ok, cela veut dire... Né, qu'en est-il d'Ola? Ola, ok. Elle est derrière avec la princesse. Ah. Ok, avec elle la princesse est... Oui. Cela veut dire que la princesse est aussi oui, là. Oui, elle est là. Ok, nous allons leur dire bonjour. Nous allons leur dire merci, maman. Ola. Oui, mon prince. Je suis là maintenant. Es-tu seule à la maison en ce moment? Oui, il n'y a juste que mon père et moi. Mais mon père s'apprête à aller faire une balade. Ok, donc, comment tu vas? Je vais bien, hey, et toi? Obidike. Nai. Tu es là? Oui, Nai. Comment va ta mère? Elle va bien. Ola? Oui, papa. Je te pleure, occupe-toi de la maison. D'accord, papa. Je reviens. D'accord. Au revoir, Nai. Obidike. Qu'est-ce que tu disais? Je t'ai dit que je veux t'épouser. Et tu m'as demandé de venir chez toi. C'est pour ça que je suis là. Est-ce que ta mère est au courant de ça? Bien sûr qu'elle le sait. Ah, bien. Je vais y réfléchir. Y réfléchir encore? Oui. Cela me revient à l'esprit. Tu es du royaume d'Amaphore, n'est-ce pas? Oui. Amaphore est mon royaume. Est-ce que tu connais le problème que traverse mon royaume actuellement? Non. Le problème est le suivant. Comment inviter le roi Ozorumba du royaume d'Amaphore à notre prochain festival de l'Ignium? Oh. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Rien du tout. Rien. Rien n'est drôle. Pourquoi ris-tu? Rien, je vais bien. Je vais bien. J'aimerais faire une requête. Vas-y, je t'écoute. Père, nous voulons aller rendre visite à notre frère le prince Obizike. C'est bien. C'est bien. Attendez. Est-ce que vous l'avez dit à votre mère? Oui, père. Nous lui avons dit. Ah, ok. Et elle a accepté. Ok. Nous avons jugé nécessaire de t'en parler avant de partir. D'accord. C'est bien. C'est bien. Allez juste toutes les deux. Oui, père. Oui, père. Ne vous habillez surtout pas comme des personnes appartenant à la famille royale. Oui, père. Oui, père. Ne l'exposez surtout pas quand vous serez là-bas. Oui, oui père. Père. Alors vous irez voir Ejike. Ok. Il vous donnera de l'argent et quelques provisions que vous leur apporterez. D'accord, d'accord père. Ok. Oui, père. Et quand vous y serez? Et quand est-ce que vous comptez vous y rendre? À la première heure demain, père. Ok, demain à la première heure. Quand vous y serez demain, rentrez le lendemain.
D'accord, père. Est-ce que c'est clair? Oui, père. D'accord, appelez votre mère. Bonjour, maman. Ah, ah. Hola, maman. Maman. D'où viens-tu aussi tôt le matin? Ah, maman, je viens de notre maison. Je suis venue voir Obisike. Oh, ma fille, ils viennent juste de partir au champ. Ah, hey. Je croyais que j'allais les trouver à la maison. Ne t'inquiète pas, ils vont bientôt rentrer, d'accord? D'accord, maman. Est-ce que je peux t'aider, maman? Ah, hola, maman. Hola, marama. Oui, maman. Merci, d'accord? D'accord, maman. En fait, je me dépêchais pour terminer ça et aller au marché. C'est bon, maman. Alors maintenant que tu es ici, je vais au marché. Oh. Pas de problème, maman. D'accord, je reviens tout de suite, d'accord? Pas de problème. Merci beaucoup. Oh. Maman, achète-moi quelque chose. Ah, tu m'informes? Je vais bien sûr t'acheter quelque chose. D'accord, maman. Hey. Hein? Maman, bienvenue. Merci, Ola Marama. Tu vois pourquoi je t'appelle Ola Marama? Ola Oyoko Yoko, hein? Regarde comment t'as nettoyé cette cour pour moi. Hey, Ne. Oui, maman. Merci beaucoup, oh. Il n'y a pas de quoi. Ne, j'espère que ton père ne sera pas en colère que je t'ai gardé aussi longtemps. Non, maman. Mais si jamais c'est le cas, je vais lui dire ce que je faisais. J'espère que tu m'as acheté quelque chose au marché. Oh, oh, beaucoup de bonnes choses. J'y reviens. Bienvenue, maman. D'accord, ma fille. Maman, j'ai vraiment hâte de manger de la nourriture. C'est pour ça que je me suis dépêchée au marché pour vite rentrer. Comme ça, je vais finir de cuisiner et tu vas manger avant de partir. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte, maman. Bachaba aussi, ça. Vraiment? Je veux faire un bouillon d'igname. Quand tu le mangeras, ton corps sera un koto. Un koto, kotom, kom, kom. Koto, kotom, kom, kom. Kwana, kotom, kotom, kom. Maman! Néo. Gagao, elitia, abetiaka. Idéna, nous. Mansa, ok? Hola, né. Hey. Hola, marama. Oh, j'ai vraiment hâte. Je sens que je vais me régaler. Je t'assure. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Hé, voilà, reviens. D'où viens-tu? Papa, je viens de chez Ezine. Assieds-toi ici. Je sais que tu allais voir Obisike. Oui, papa. Écoute, fais très attention. Je veux pas quelque chose qui apportera la honte dans cette famille, hein? D'accord, papa. Donc fais très, très attention. Je le serai. Voilà, papa, l'intérieur. Je te rendrai fière. D'accord, ma fille. Retourne à l'intérieur. D'accord, papa. Qu'est-ce que tu veux à manger, papa? Tu connais mon préféré. En venant, tu m'apportes ma pipe. D'accord, papa. Très bien, ma fille. Hola. Oui. Hola, j'ai envoyé mes frères chez toi et il s'est avéré que la princesse Ma et d'autres personnes étaient là. Du coup, ils n'ont pas pu te passer mon message. Attends une seconde. Pourquoi n'ont-ils pas dit la raison pour laquelle ils sont venus? Non. Ne t'attends pas à ce qu'ils commencent à parler devant les gens. Il y avait plein de gens et surtout Ma. Honnêtement, je ne sais pas ce que ma famille et moi avons fait à Ma pour mériter tant de haine de sa part. Elle nous déteste tellement. Peut-être parce que j'ai... Je lui ai dit que je voulais l'épouser. Eh bien, je suis vraiment désolée pour ça. Maintenant, dis-moi, comment est-ce que je pourrais t'aider? Hola, honnêtement, j'ai besoin de ton aide. Ok. J'ai besoin d'une femme. Veux-tu m'épouser?
Tu veux m'épouser? Oui. Juste comme ça. Juste comme ça. Comme tu peux le voir, je suis en train d'aller au champ pour chercher du bois. Peut-être que tu pourrais venir à la maison en soirée pour que nous puissions parler. D'accord. C'est d'accord. Mais merci beaucoup, je te verrai plus tard ce soir. D'accord. Que les dieux soient avec toi. Ici. Bye. Que les dieux soient avec toi! Ouais, tu es vraiment très gentil. Merci beaucoup. Non. Je ne peux pas y aller seule. Je veux dire, je ne peux pas être seule, s'il te plaît. Ah. Hola, je sais. Je te verrai demain, ok? J'ai dit non. Je ne suis pas d'accord avec toi. S'il te plaît. D'accord? C'est d'accord. Ah. Oh, Bim. Promets-moi que tu prendras bien soin de toi. Bien sûr que je le ferai. Et toi aussi. Ma princesse, alors... Maman, comment est-ce que tu l'as appelée, ma princesse? Ah, son nom est Ugoma et non ma princesse. Vraiment? C'est vrai. Maman, s'il te plaît, ne le fais pas. Je suis désolée, j'ai oublié. Mm-hmm. J'ai complètement oublié. Mm-hmm. Je suis désolée. Alors, comment va ma famille là-bas? Maman, tout le monde va bien. Obisike, comment vas-tu? Ma, je vais bien. Obisike va bien. Oh. Plus que bien. Mon grand frère, il y a espoir? Ah. Je veux dire, est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Eh bien, nous cherchons encore, en fait. Vois-tu, la pire chose qui puisse arriver à un homme dans cette vie, c'est d'être pauvre. Je vous assure, c'est vrai. Hein? Savez-vous la quantité d'insultes qu'on a reçues dans ce village parce qu'ils pensent que nous sommes pauvres? Il n'a pas tort. Eh bien, je suis amoureux, c'est vrai. Je suis amoureux. Maman. À cette allure, tu as de fortes chances de te marier à cette fille, parce qu'elle est gentille. Hey, elle maman. Est super. Elle n'est pas seulement gentille, hein? Elle est également forte. Hey. Vraiment forte. Vraiment forte. Wow. D'accord. Alors, mon frère, comment pouvons-nous la voir? Ok. Quand est-ce que vous retournez au royaume? On rentre demain. Oui. Mm-hmm. Oui. Je pense qu'elle a prévu de passer ce soir. Vraiment? Comme ça, vous pouvez la voir. Pas de souci. Vous savez quoi? Je vais en profiter pour vous faire goûter tous les plats spéciaux que maman ne cesse de faire depuis que nous sommes arrivés ici. Oui. Que je vous dise. Venez voir tout de même. Ne le finissez pas. Grand frère, dis-moi, dont tu as eu le cran de laisser notre royaume pour... ce pauvre royaume pour la recherche d'une femme? Oh, Joe, j'ai fait cela uniquement pour le bien de notre royaume. Tu comprends? Tu comprends? Oh bien, Nidjo, ne t'en fais pas. Père et mère l'ont soutenue. Que suis-je même en train de dire? Quand allons-nous voir cette fille? Parce que nous allons rentrer. Nous ne pouvons pas attendre, s'il te plaît. Un peu de patience, elle sera bientôt là. Et
qu'est-ce que tu fous avec ces pauvres, misérables et sales filles, dis-moi? Ah, là, ce n'est pas ce que tu penses. Je vais t'expliquer. Expliquer quoi? Obisike, c'est donc ça, la raison pour laquelle tu m'as fait venir ici, pour me déshonorer. Ah, je ne comprends pas. En fait, tu ne vas plus jamais me voir dans ta maison. Non! Tu n'oses plus jamais m'appeler. Maintenant, je m'en vais. Hola, ce sont mes... Frère, reviens. Hola! Frère, reviens, allez. Nous irons chez elle lui expliquer les choses. Pour où? Elle s'est trompée. Où irons-nous? Une fille qui vient tout juste nous insulter. Si cette fille avait de l'eau chaude sur elle maintenant, elle nous aurait versé cette eau. Comme maintenant. Si tu étais à sa place, tu allais faire pareil. S'il te plaît, grand frère, allons-y. Obisike, basé sur ce que nous recherchons, cette fille ne fait pas du tout le poids. C'est une mauvaise interprétation. Ok, je m'excuse pour elle. Désolé pour elle. Il faut que je la rattrape pour pouvoir tout lui expliquer. Oui. Vous comprenez? Hey. Papa. Oula. Je te cours après. Papa, c'est Obisike. Je suis allée chez Obisike et je l'ai vue avec deux filles assises sur ses jambes. Elle le touchait et le caressait. C'est de ça que je t'ai prévenue la dernière fois. Mais tu ne m'as pas écoutée. Alors tu as le courage de venir chez moi avec ces deux filles? Expliquez. Ce sont mes sœurs. Expliquez-moi. Obisike, je ne veux pas. Je ne veux pas te voir chez moi. Va-t'en. Obisike, mais attends, avant que je ferme mes yeux et je les ouvre à nouveau. Papa, écoute-moi juste un instant. Obisike, va donc chez moi, va. Obisike. Papa, ce sont mes sœurs. Obisike, va donc chez moi. Tu n'as pas venu. Oh bien, Nudja. As-tu vu ce que je vous ai dit à Obisike et toi? Et si cet homme nous avait blessés avec sa machette? Ou que cette fille nous avait blessés, qu'aurais-tu fait? Ça ne pouvait pas arriver. Si c'était arrivé, tu sais ce que j'allais faire? Je les aurais donné une bonne leçon. Qu'est-ce qui se passe ici? Bienvenue, maman. De quoi parlez-vous? Bienvenue, maman. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Obisike? Derrière la maison. N'est-ce pas cette fille qu'Obisike veut épouser? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue ici il y a quelques heures. Elle m'a vue avec Obianojo, assise avec Obisike à discuter. Elle a commencé à nous insulter, nous traiter de tout, pour rien du tout. Tu as dit quoi? Mes frères, vous aurez dû voir ce que cette fille nous a fait. Maman. Ce n'était pas tout. Ce n'était pas tout, maman. Obisike et Obianojo ont suggéré qu'on aille chez elle pour tout lui expliquer. Quand nous sommes arrivés là-bas, cette fille a ramassé un bâton et son père une machette. Ils nous ont chassés de leur maison pour rien. Tu es sérieuse? Hey! Ah! Ezine. Je remercie les dieux qu'il ne vous ait pas blessé. Qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire? Qu'est-ce que j'allais bien faire? Hey! J'ai espoir. J'ai toujours espoir que les dieux de notre terre vont nous favoriser. Prions pour. Ils le feront. Ils nous aideront dans cette mission. Issei. Oui. Alors, quand partirez-vous? Nous partirons demain. Je ne veux plus rester ici. Non. Soyez les bienvenus, chers notables.
Igwe. Je vous ai tous appelés pour vous informer que le grand prêtre a donné la date pour le festival de l'Igname. Hein? Ça, c'est bien. C'est bien. C'est une bonne information. Igwe, sans hésitation, quelle date? Il a dit 21 jours de marche à partir d'aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, Ono, dépêche-toi, va voir le messager. Dis-lui d'aller dans tout le royaume pour passer le message. Hein? Oui. D'accord. Eboubé, et dans ce cas, continuez sans j'y moi, vais d'accord. tout de suite. Oui, et nous devons tout préparer, d'accord? Ma fille, sois la bienvenue. Merci. J'espère que ça s'est bien passé. Comment va votre frère, et ainsi que tout le reste? S'il vous plaît, mon fils, comment va-t-il? Père, basé sur ce que nous avons vu là-bas, ils ne vont pas bien du tout. Hey, Igwe. Ah, Igwe. Calme-toi. D'accord. Calme-toi, elle est encore en train de parler. D'accord. Continue, ma chérie, continue. Père, Obizike, Obianojo et moi avons échappé à la mort. À la mort? Là-bas? Oui. Igwe, est-ce que tu as entendu ça? Oh. Hein? Non. J'irai là-bas chercher mon fils. Lolo. Mon fils doit revenir. Calme-toi. Laisse-moi l'écouter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Père, Ezine leur a dit qu'elle est une veuve et a été bannie de notre royaume pour avoir tué son mari. Ok. Ok. Ce sera un problème pour eux, mais ça va aller. Parce qu'actuellement, ils les considèrent comme des personnes pauvres. Et avant qu'ils ne trouvent une fille pour l'épouser, ce sera vraiment difficile. Donc, toute jeune fille qui acceptera de l'épouser sera une bonne femme. Alors, donnons-leur encore un peu de temps. Rien ne va leur arriver. Ils iront bien. C'est tout ce que tu as à dire. Mère, sais-tu que certains êtres humains sont aveugles? Est-ce que tu connais leur problème à présent? Qu'est-ce que c'est? Père, ils se battent et cherchent moyen de t'inviter à leur festival d'Igname. Voilà le problème actuel. Honnêtement, tu es gentille, princesse. Je suis gentille? Oui. Comment sais-tu que je suis gentille? Nous n'avons jamais causé avant. Oui, je sais. Mais dès le premier jour où j'ai posé mes yeux sur toi, j'ai vu ton humilité. J'ai vu la loyauté. Ton attitude envers ma famille a pu me faire voir une douce et sympathique princesse. Je n'ai cessé de chercher un moyen de te parler. Mais à cause de mes modestes origines... Attends. Alors, dis-moi, qu'en est-il de tes origines? Princesse, n'es-tu pas dans ce royaume? Je viens d'une famille très pauvre. La dernière fois, c'était ta mère qui nous a donné de l'argent et quelques tubercules d'igname. Et tu étais là. Je sais, mais est-ce qu'il y a des fous dans ta famille? Que les dieux m'en préservent. Des fous, tu dis? Non. Nous n'avons pas de fous dans notre famille. C'est bon. Depuis que vous êtes venu dans ce village, je n'ai rien entendu de mal sur vous. Ou que toi et tes frères, vous avez battu qui que ce soit. Je n'ai pas entendu. Non, ma princesse. Nous n'avons pas été éduqués de cette façon. C'est bon, Je t'aime.
Tu es vraiment un jeune homme courageux. Tu m'aimes? Peuple du royaume de Momoa, écoutez! Écoutez! Dans les prochains 21 jours du marché, nous aurons notre festival tant attendu dans notre palais. Toutes les filles à jeunes, tout le monde doit être là. Nous allons inviter Igwe Osurumba du royaume d'Amafor. Et il sera là également. Tout le monde doit être là et être témoin de ce qui va se passer. Tu dois être là, mon frère. Nous allons tous être là. Tobo a tout voir dormir alors qu'il ne se fait pas encore nuit. C'est quoi le problème? Regarde cet idiot, regarde, quelque chose de sang. Laisse-moi te dire quelque chose. Mais quand si tu m'adresses encore la parole, je te ferai regretter. Qui es-tu? Après tout, ton père, non, désolé, ta mère, ton père vient de mourir. Demande à ta mère ce qui a tué ton père. Ton père est mort à cause de la boisson. Il buvait beaucoup d'alcool. N'importe quoi, regarde-toi. Tu es ivre et tu n'arrêtes pas de parler. Ah bah 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 bah. Tu seras utilisé en sacrifice. Je ne pense plus. Kézine viendra encore. Peut-être qu'elle est alliée au champ. Oh, regarde son fils qui arrive. Bonjour, ma reine. Bienvenue, mon fils. J'ai appelé ta mère. Où est-elle? Oui, ma reine, elle est au champ. En fait, c'est elle qui m'a envoyé vers vous. Les gardes m'ont dit que vous avez terminé de défricher le champ. C'est exact, ma reine. Nous avons défriché partout. Prends cet argent. Pas seulement ça. Va derrière la maison et apporte-moi quelques tubercules d'igname. Merci, ma reine. Que les dieux vous bénissent. Je t'en prie. Où est-il allé? Personne ne sait où il est allé. Ah. Peut-être qu'il est en quoi aller chercher Ola. Ah, il ne peut pas faire ça. Ou alors, il veut se suicider. Ah. Maman. Oh, regarde, il arrive, regarde. Regardez. Obiseke est rentré. Mon fils. Mon maman. Fils. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Obiseke. Shidi. Udoka, je vous présente la princesse Ugoma. C'est la princesse de ce royaume. Oui, princesse, bien c'est vu. Ma nouvelle amie. Agu. Ah, hey, Agu. Ah, bonjour, maman. Bonjour, Tchede et Udoka. Bienvenue, sois la bienvenue. Princesse. Sois la bienvenue, d'accord? Maman, je remercie les dieux. Les dieux nous ont finalement donné un sourire en nous donnant une princesse comme amie de la famille. c'est vrai. Princesse, j'espère que tu te souviens que tu es la fille d'Igwe Dike, premier du nom de ce royaume. Ha. Je lui ai déjà dit que notre relation ne sera certainement pas facile. Mais si les dieux le permettent, je ferai d'elle ma femme. Hein? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu racontes? Ils vont le permettre. Oui. Laisse-moi te dire, tout ce que tu demandes sincèrement, viens à toi, Ezele. Maman, tu peux le redire. Est-ce que tu as compris? Tout ce que tu demandes sincèrement, viens à toi aisément. Hey! Princesse! Chidi, s'il te plaît, apporte-lui à manger. Allez, dépêche-toi, tu vas regarder comme. Lève-toi. Mais il y a une chaise à l'intérieur, oh? Bonjour, Tidere. Bonjour, princesse. Pourquoi êtes-vous ici aussitôt? J'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Alors, où est tout le monde? Ils sont au champ et j'étais en route pour le champ avant que tu n'arrives. C'est bon. Alors, où est le balai? Je veux balayer la cour. Ha! Le balai? Oui. Ha! Princesse. Ok,
Voilà le balai. Ok. S'il te plaît, princesse, je ne t'ai pas demandé de balayer. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oh, ok. Pas de souci. Ok, c'est bon. Hola, n'était-ce pas notre princesse que j'ai vue en train de balayer la cour d'Obizike? Papa, c'est exactement ce que nous voyons depuis quelques jours. Attends, attends. T'es sûr que son père est au courant de ça? Que son père soit au courant ou pas, j'irai le découvrir. T'en fais pas. Quand je vais arriver au palais, je mettrai le roi au courant. Papa, fais-le. Parce que ça devient incontrôlable. Oh. Notre princesse. Je suis vraiment sans voix. Allons-y. Hey. Obiaku. Obiaku. Oui, ma reine. Bonjour. Où est ma fille? Où est la princesse? Ma reine, je ne l'ai pas vue. Je pense qu'elle dort encore. Dormir à cette heure? Elle n'est pas dans sa chambre. Va la chercher partout. Où est-elle allée? Où est-elle? Ma reine, je ne la trouve nulle part. Comment? C'est bon, tu peux partir. Où peut-être cette fille à cette heure? Très tôt ce matin. Est-elle encore allée voir Obizike? Ah, cette fille ne va pas me tuer. Tu peux revenir ici? D'où viens-tu à 7 heures du matin? Mère, je suis allée voir un ami. Voir un ami? Tu n'as même pas pris ton bain pour brosser les dents. Regarde-toi, tu n'as pas mis tes perles pour ressembler à une princesse. Et qui est cet ami? Mère, c'est un nouvel ami. Et je me suis, au moins, brossée. Qui est cet ami? Il ou elle? Mère, c'est un nouvel ami. Un nouvel ami? Masenashi. Oui, mère. Masenashi, combien de fois t'ai-je appelé? Mère, 2 fois. Fais attention, alors tu ne pourras pas apporter la honte dans cette famille royale. Non, je n'apporterai pas la honte. Je t'ai prévenu. Fais attention, c'est tôt. D'accord, mère. Tu peux partir. Princesse? Oui? Serais-je en train de rêver? Ce n'est pas un rêve. Je suis ici pour toi. Et je t'aime tellement. Ah. Un homme aussi pauvre que moi, d'une famille misérable. Je t'aime tellement. Ah. Je n'arrive pas à croire que je suis amoureux de la princesse de ce royaume. Oui, tu l'es. Je t'aime tellement. Et je t'aime aussi.
Je suis très heureux de t'avoir. Love mo, love daddy my. Love mo, love is of gomo, eh. Kwa makije love, kamziri ganam baganama. Iem na choba chalugo, mwanwelu che piakwa lumegu. Udara na dalu mwanwelu ndidi, somo bimo vyada jomakao. Love mo, love daddy my. Love mo, love is of gomo, eh. Kwa makije love, kamziri ganam baganama. Iem na choba chalugo, mwanwelu che piakwa lumegu. Udara na dalu mwanwelu ndidi, somo bimo vyada jomakao. Obisi ken love mo. Ekwere mu na gigebi ebi neje kamgeje ebi na wo kana wo ndi giga bundi mo ndi mo ga bundi go obi gbawara megwu o obi ana ma gbara gegu onye genye mi helile onye ga ma mbo na ko onye ga ma mbe m no nko so mo bi mo bi agbalu megwu obi sike love mo obi ana ma gbara gegu ihe gi na masimo obi mo love mo love mo love mo love daddy my love mo love is of gomo eh okwa makije love kamjiri gana mbaganama ihe m na choba chalugo mwanwelu che pia gbalu megu udara na dalu mwanwelu ndidi so mo bi mo bi ada où est ma fille? Où est Obiaku? Allez chercher Obiaku. Ma reine, j'ai entendu mon nom de l'intérieur. Obiaku, où est ma fille, la princesse? Elle est sortie. Elle est sortie? Va la chercher. J'ai besoin d'elle. D'accord, ma reine. Vas-y. Allez-y, vous toutes. Retournez à vos postes. Merci, ma reine. Ma princesse. Obiaku, qu'est-ce qu'il y a? On m'a dit de venir avec toi. Est-ce que tu as dit à quelqu'un que je suis ici? Non, ma princesse. Ok, vas-y, j'arrive. Obiaku, reviens. Princesse, il faut que t'ailles avec elle, s'il te plaît. Obiaku, vas-y, j'arrive. D'accord. Non, j'insiste. Tu dois y aller avec elle. Je ne veux pas d'ennui. S'il te plaît. Tu sais que je t'aime beaucoup. Oui, je sais. Je ne veux pas te laisser. Princesse, il faut que tu rentres. Ok? C'est bon. Je te verrai plus tard. D'accord. Je t'aime. Tu me laisses partir. Vas-y. Je t'aime. Je t'aime, princesse. Je t'aime, princesse. Je t'aime. Qui est cet ami? Ma fille, Masnati, tu as très bien entendu ta mère. Maintenant, dis-moi, qui est cet ami? Et où vit-elle? Ce n'est pas une fille, mais un garçon. Un garçon? Dis-moi, qui est ce garçon? Et quel est son nom? N'as-tu plus une bouche pour répondre à ton père? Dis-lui, qui est-il? Père. Il s'appelle Obisike, le fils des idées. Quoi? Obisike encore? Oui, Athès.
Vois-tu, ta fille veut apporter la honte à cette famille royale. C'est bon. Ma reine, vous pouvez tous partir. Je lui parlerai plus tard. S'il te plaît, parle-lui. Venez, venez, venez. Va avec elle. Je te parlerai plus tard. Cet Obidiki, il ne vivra pas pour voir le lendemain. Il ne vivra pas pour voir le lendemain, Obidiki. Il me défie. Udoka, ne vas-tu pas aller chercher la princesse Ugoma? Ou bien, nous sommes censés partir aujourd'hui. Ou l'as-tu repoussé pour demain? Obidiki m'a dit de partir demain matin. Mais pourquoi le demandes-tu? Sais-tu pourquoi Obidiki veut l'amener? Je sais, et... Je remercie les dieux de notre terre de vous avoir rencontrés tous les deux ici. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème. Avons-nous commis un... Udoka, Chidi, je pense que tous les deux vous devriez conseiller votre frère Obidiki. Parce que où il est sur le point de se lancer, lui coûtera sa tête, s'il n'est pas prudent. Attends, je ne comprends pas. Essaye de me faire comprendre. Comment pourrais-tu comprendre? Non, tu ne pourrais pas comprendre. De toutes les filles de ce royaume, c'est la princesse que votre frère Obidiki a choisie comme amie. Je suis vraiment désolée pour tous les deux. Que les dieux vous aident. Attends, Iyoma, es-tu en train de dire qu'un homme pauvre ne peut pas marier une fille de ce royaume? Hein? Est-ce à ça que ce royaume ressemble? Regardez-les. C'est ce que tu dis? C'est ce que tu dis? Pauvre royaume. N'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Masanachi, je ne veux pas croire à ce que j'entends. Veux-tu apporter la honte sur moi et cette famille, et également dans tout le palais? Écoute-moi et écoute-moi très bien. Je ne veux plus jamais te voir proche de ce garçon. Ce rat, tu m'écoutes? Mais si je fais bien entendre... Mais pourquoi, père? Obiaku. Mon roi. Garde. Si jamais vous la voyez près de ce rat, n'hésitez pas à m'informer. Tu sais que je vais inviter le roi Uzumbaru dans ce royaume. Juste pour toi. Mais père, qu'est-ce qu'Igwe Uzurumba fera pour moi? J'en ai terminé, ma fille. Je ne veux plus te voir près de ce garçon. C'est tout. Ma princesse, calme-toi. Tout ira bien. Ce n'est qu'une question de temps. Ma princesse, pourquoi as-tu cette mine? Est-ce que tout va bien? Oui, ma petite princesse, tout va bien. Hein? Laisse-moi voir ton visage. Hein? Tu es tellement belle. Ne t'en fais pas. Je vais bien, d'accord? Oh. Pourquoi m'as-tu appelée ici? Hein? Pourquoi suis-je là? Ma princesse. Hein? Ton frère m'a envoyé vers toi. Il a dit qu'il veut te voir. Me voir? Quel est le problème? Il n'y a aucun problème. Il dit qu'il veut te voir demain matin. D'accord. Je vais devoir en parler avec la reine, ma mère. Tu vas partir aujourd'hui. Immédiatement, je m'en vais. Ok. Que les dieux te protègent. Obidiki. Que les dieux te protègent. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu es une fille comme moi. Je suis amoureuse d'Obidiki. Et s'il faut que je l'épouse, Obiako, je le ferai. Et il n'y a rien que mes parents feront de ça. Mais ma princesse, tu as entendu ce que ton père le roi a dit? Oui. Et écoute-moi. Dorénavant, si n'importe qui me cherche, dis à il ou elle que je suis avec Obidiki. As-tu entendu cela? Ok, ma princesse. Obidiki,
Es-tu vraiment en train de dire que cette fille dont tu parles est une princesse? Oui. Je pense qu'elle a été envoyée par les dieux. Tu la verras bientôt. Mais es-tu sûr qu'elle viendra ici aujourd'hui? Aujourd'hui? Bientôt, très très bientôt. Elle sera ici très bientôt. Écoute, Ogoma, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Dès qu'elle arrivera, je te porterai sur mon dos. Vraiment? Oui. Vraiment? Oui. Mais, Obiseke, on dirait que tu n'aimes pas cette fille dont tu parles. Je l'aime. Je voudrais voir sa réaction. Ok, d'accord? Ok. Chut, elle arrive. Es-tu sûr? Es-tu sûr? Vas-y, grimpe, grimpe. Bonjour, mon amour. Princesse. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Es-tu en colère? Ah, non, princesse, elle n'est pas en colère. Mais tu m'as fait attendre. Je suis désolée, mon amour. Je suis vraiment désolée. Ogoma, s'il te plaît, apporte-lui un siège. Comme je te disais, hein, si tu vois les perles que j'ai achetées, elles seront très jolies sur moi quand je les mettrai. Ma, j'irai avec toi au marché. Vraiment? Oui. Ok. Oh, vous êtes déjà toutes les deux ici. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Je devrais te demander cela. Pourquoi la regardes-tu comme ça? N'est-elle pas notre amie? Ne t'en fais pas, je vais t'apporter un siège. Ma bonne amie, apporte un siège, je vais m'asseoir. Et toi, pourquoi me regardes-tu ainsi? N'importe quoi, regardez-la. Regardez-la. Ah, merci, mon amie. Okay. Ne fais pas attention à elle. Ma sœur, avez-vous vu ce que j'ai vu? Attendez. Êtes-vous en train de me dire que vous n'avez pas vu notre princesse? Tellement se rabaisser. Elle a maintenant une liaison avec Obiseke. Non, ça ne peut pas être vrai. Elle ne peut pas se rabaisser autant. Est-ce que je mens? Attends, ce n'est pas que je me moque, mais c'est une affaire sérieuse. Écoutez-moi toutes les deux. Je ne veux encore rien dire du tout. Je ne dirai rien haut. Je m'assierai et je verrai la réaction de ses parents. Je ne dirai rien parce que je sais que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être possible. Cette pauvre chose misérable. S'il te plaît, laissons-leur ça, qu'ils gèrent. Parlons des préparatifs de notre festival. Écoute, avant que tu ne viennes, c'est de ça que je parlais à Ola. Es-tu sérieuse? Si vous voyez les perles que j'ai achetées, elles sont très jolies. Je vais les perles et toi, tu ne changeras jamais. Je sais que tu veux rire, alors ris. Pourquoi fais-tu cette mine comme si tu étais triste? Qu'est-ce qu'elle raconte? Vous êtes toutes les deux, mes amies. Arrêtez ça. Qu'est-ce que tu as mangé ici? Tu as retrouvé ton homme avec une fille dans une condition pareille. Tu l'as juste accepté. Honnêtement, princesse, tu m'as vraiment surpris. Sais-tu que c'est avec cette même sœur qu'Ola m'a vue et lorsque nous nous sommes rendus chez elle, son père et elle ont failli nous tuer. Je suis sérieux. Non, nous étions trois. Ma sœur Obiano, Joe et moi, nous étions ensemble. Cette fille voulait nous manger tout cru, pour aucune raison. Tu vois, Ogoma, j'aime tellement ton frère. Mais mes parents veulent que je me marie à un homme riche ou un homme d'une famille royale. Mais je ne veux pas. Je veux juste un homme avec qui je veux construire ma vie. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais tu vois ce que tu viens juste de faire là? Je ne peux pas l'accepter. Pas du tout. Venant d'aucune fille. Si j'ose voir mon homme avec une fille dans ces conditions, eh bien, seuls les dieux sauront ce que je ferai à cette fille. Ogoma, ma princesse, désolée pour cette question. Sens-toi libre. Comment es-tu liée à Obiseke? Oui, il m'a tout expliqué. Alors, je veux juste entendre ta version. Tu connais sa mère, Izine, pas vrai? Oui. Bien.
Sa mère est la sœur aînée de ma mère. Alors, quand ils ont eu ce problème, nous ne pourrions rien faire que de leur rendre visite et les rendre heureux. Princesse, dis-moi, est-ce que tu as pensé un instant que je te mentais? Non, je voulais juste entendre sa version. Eh bien, j'espère que tout est clair maintenant. Bien sûr. Mes salutations, cher notable. Igwe. Comme vous le savez tous, notre festival aura lieu dans quelques jours. Alors, je veux aussi profiter de cette opportunité pour vous informer que j'ai finalement réussi à contacter le roi Uzurumba du royaume d'Amafor. Ah. Hey, Boubé. Itinana, c'est une très bonne nouvelle. Hein? Une très bonne nouvelle. Hey, que les dieux soient loués. Mais, mon roi, êtes-vous sûr qu'il a promis de venir? C'est la question que vous aurez dû poser avant de commencer à jubiler. Igwe, est-ce que le roi Uzurumba a accepté de venir? Exactement. Il a promis de venir, d'après le messager que j'ai envoyé. Il m'a aussi dit que le roi Uzurumba du royaume d'Amafor a un fils et que son fils n'est pas encore marié. Ah! Qui sait à qui son fils va se marier? Ah. Igwe, cela devrait être une opportunité pour nos filles. Exactement. Cher notable, cette réunion est terminée. Hein? Vous pouvez partir. Si vite? Eh bien. Partez. Igwe. Igwe, juste comme ça. Il est énervé. Il est énervé? Ouais, moi aussi je le pense. À cause du prince. Altesse. Sais-tu que ta fille continue de rendre visite à cette obésité? Tu dois faire quelque chose avant qu'il ne l'enceinte. Quoi? Tu veux dire qu'après avoir parlé à la princesse, elle voit toujours ce garçon? Hein? Elle est là. Tu peux lui demander. Peux-tu croire qu'elle est allée avec ce gars au champ? Quoi? Elle est allée au champ avec ce garçon? Pourquoi? Comment? La princesse du royaume de Moé? Ma fille? Non, je ne peux pas accepter ça. Garde, première chose demain matin, va chercher Obodo. Rendez-vous chez Eziné. Amenez ce garçon, ainsi que tous ses frères. Amenez-les ici, je vais les voir. Oh, c'est inacceptable. Père, ce que tu fais est ballot. C'est mal, père. Et toi, vas-tu la fermer? Allez, avancez! 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 Ne fais pas le malin! Avancez! Parmi toutes les filles de ce royaume! Allez, avance! C'est la pire de notre roi que tu as décidé! Avance! D'épouser, hein? Ne faites pas attention, c'est une bande d'idiots! Avancez! Avancez! Arrêtez vos oreilles! Vite! Écoutez très bien. Je ne veux plus jamais te voir près de ma fille. Tu oses encore le faire? Je t'exécuterai, ainsi que tes frères. Tous les trois. Père, je ne quitterai pas Obisike. Si tu veux le tuer, cela veut dire que je vais mourir avec lui. Père, je l'aime tellement. Comment oses-tu ouvrir ta bouche et parler à ton père? Si c'est le cas, alors prépare-toi à mourir avec lui. Ogudia, calme-toi. Calme-toi. Laisse-moi m'occuper de ça. Alors, Obisike, parmi
toutes les filles de ce royaume. Seule ma fille que tu as vue et que tu veux épouser. Si jamais je te vois proche d'elle, tu le regretteras. Je suis désolé, Votre Majesté, mais je vous en prie. Permettez-moi de dire quelque chose. Dire quoi? Ono, mon roi, je t'ai invité. Je veux que tu amènes l'un de tes chefs dans le royaume d'Omwe pour voir leur Ono. Mon roi, j'espère qu'il n'y a aucun problème. Bien sûr qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème. J'ai appris que mon fils Obisike est tombé amoureux de la fille du roi et que le roi veut faire mourir mon fils. Alors, s'il te plaît, va rencontrer leur Ono et dis à lui seul qu'Obisike est mon fils et mon unique fils. Et dis-lui de ne le dire absolument à personne d'autre dans tout son royaume. D'accord, mon roi. Mon roi, je veux croire que le roi ne sait pas qui est l'Onovu Obisike. Mon fils. Oui, oui, oui. Mais je crois fortement qu'après que nous ayons parlé avec lui, il saura très bien comment le traiter et le protéger. Oui, eh bien, s'il te plaît, souviens-toi de dire à l'Onovu de ne révéler ce secret à personne d'autre. Ok? Mon roi, quand devons-nous partir? Demain à la première heure. Oui, demain à la première heure. D'accord. Et lorsque tu seras de retour, nous parlerons maintenant de leur festival. Tu sais, ils m'ont invité. C'est vrai, c'est vrai. C'est bel et bien vrai. Oui. Vos paroles seront respectées. Je demande la route. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait de mal, princesse. T'es-tu demandé ce qui se passerait si jamais ton père apprenait que nous sommes ici? Il me tuerait. C'est ce que tu penses? Ouais. Oublie juste ça. Tu sais quoi? La seule chose qui m'empêchera de t'épouser sera toi ou les dieux. Princesse, tu ne comprends pas. J'ai peur de ton père. Tu sais que je n'ai personne dans ce royaume. Et dans mon royaume, personne ne pourra intercéder pour moi. Tu n'as pas à avoir peur. Tout ce que tu dois faire pour moi, c'est d'être fort. Je le serai. Merci. Love mo, love mo. Love daddy mine. Love mo, love mo. Love is of gomo, eh. Kokwa makije love. Kam siri gana mbagana ma. Iem na choba chalugo. Mwanwelu che pia kwalu megu. Udara na dalu mwanwelu ndidi. Sommo bimo vyada joma kao. Love mo, love mo. Love daddy mine. Love mo, love mo. Love is of gomo, eh. Kokwa makije love. Kam siri gana mbagana ma. Iem na choba chalugo, mwanwelu che pia kwalu megu. Udara na dalu mwanwelu ndidi, somo bimo vyada choma kao. Obisike love mo, ekwere muna gigebi. Ebine che kamgeje, ebina u kana u. Ndi giga bundi mo, ndi mo ga bundi go. Obi mawara megu o, obi anama gbara gegu o. Onye genye mi helile, onye ga mambo nako. Onye ga mambo mnono ko, somo bi mo bi akpalu megu. Obi sike love mo, obi anama gbara gegu. Ihe gi na masimo, obi mo love mo. Love mo, love mo.
kije lobo kamjiri gana mbaganama iem na choba charugo wanwelu che piagbalu meku udana dalu wanwelu ndidi somo bimo biada choma kao. Altesse. Qu'est-ce qu'il y a, ma reine? Altesse, peux-tu croire qu'après tous ces avertissements que tu as donnés à ce stupide garçon et ses frères, il voit toujours ta fille? Elle est avec lui depuis ce matin. Quoi? Elle est avec lui. Garde! Amenez-moi cette fille immédiatement. Quel toupet! Cet idiot. Non, je lui donnerai une leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt. Hmm? Avancez. 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 Je vais appeler le roi. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous laisser partir? Est-ce que tu peux fermer ta gueule? Igwe, longue vie à toi. La ferme, mon roi. Sur vos genoux. Mettez-vous tous à genoux. Longue vie à toi, Majesté. Votre Altesse. Mon roi. Masenashi, peux-tu retourner ici? Maman, maman, maman. S'il vous plaît. Donc, malgré tous les avertissements que je t'ai donnés, tu continues de voir ma fille. Garde, amenez cet idiot derrière. Amenez-le derrière la maison et attachez-le. Emmenez-le. Et vous deux, dégagez rapidement de ce palais. Ah, Altesse! Princesse! Princesse! Demoiselle! Honoka! Honoka, Shinti! Majesté, je vous en prie, désolé! Je vous demande pardon! Je vous en supplie! Désolé! Je te donne une bonne leçon, n'importe quoi. Soyez les bienvenus. Merci. Comment est-ce que je pourrais vous aider? Merci. Merci infiniment, Onobu. Je sais que vous êtes surpris de nous voir tous les deux. Ici, je suis l'Onowu du royaume d'Amafor. Hmm? Oui. Et notre grand chef qui est près de moi ici est Tifobi. Oui. Aussi du royaume d'Amafor. Tout à fait. Le roi nous a envoyé de venir vous voir. Exactement. J'espère que je suis en sécurité. Bien sûr. Pas besoin de paniquer. Pas du tout. Il n'y a pas de problème. Nous sommes venus vous donner une information. Mm-hmm. Il n'y a pas de problème. Oui, oui, oui. Il n'y a aucune raison de paniquer. Hein? Il n'y a aucun problème. Tout va très bien. Nous sommes venus vous informer que ce garçon qu'on appelle Obisike, le fils des aînés, oui, il est le seul fils de notre roi, Igwe Uzurumba Ier. Quoi? Du royaume d'Amafor. Onowu, ne criez pas, calmez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Obiseki. Ne paniquez pas. Écoutez-le. 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 Oui. Nous avons entendu qu'il est très amoureux de la fille de votre roi, oui. Igwe Idike. Oui, c'est vrai. C'est pour cela que notre roi nous a envoyé de venir vous dire que vous devez protéger, vous devez le protéger. Oui.
Eh, Onowu, ceci est un secret. Vous ne devez le dire à personne d'autre. Gardez-le pour vous. À personne. Chut, ne le dites à personne. Ce qu'il vous a dit est vraiment très sérieux. Toute tentative de dévoiler ce secret aura de graves conséquences. Je répète, de graves conséquences. De toute façon, nous allons revenir pendant votre festival. Je pense que ce sera dans 4 jours du marché. Exactement. Nous allons revenir. Ok ? Je pense que nous devons partir maintenant. Oui. Nous devons partir. Hébé ! Hey ! Ma fille. Oui, père. Ta mère m'a dit que tu es allée encore rendre visite à ton frère. Alors, quelle est la situation là-bas? Père, Obizike a finalement trouvé une femme. C'est très bien. Une princesse, pour être précis. Je n'arrive toujours pas à croire ce que mes yeux ont vu là-bas. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Son Altesse, ne prête pas attention à cette fille. Ah. Ne prête pas attention à tes enfants. Ton fils s'est uni avec celle-ci et ils ont piégé la pauvre fille. Oh. Juste parce qu'ils voulaient savoir si elle était une fille jalouse ou qui s'en fiche totalement. Père, cette fille est tellement jolie. Elle est douce et attentionnée. Elle se comporte comme si elle connaissait Obizike depuis des années. Mais père, j'ai peur de son père. Peur de son père? Comment? Il va brimer Obizike. Yeah. Si c'est ça le problème, alors oublie ça. Je vais m'occuper de ça. Comment ça le régler maintenant? Je le ferai. Je le ferai. Que si rien n'est fait, je vais aller dans ce royaume et je révélerai la véritable identité de mon fils. Lolo, je t'ai dit que je vais gérer ça. Père, j'ai eu un rêve. De quoi s'agit ce rêve? Il s'agissait de cet idiot d'Obizike. Hein? S'il te plaît, arrête d'insulter ce garçon. Arrête de le traiter de stupide ou quoi que ce soit. Arrête ça. Ma, arrête ça. Dis-moi, qu'est-ce que c'était? Est-ce que tu peux imaginer que dans mon rêve, j'ai vu Obizike comme le fils du roi Ozurumba? Père, on dirait que j'ai la fièvre. Oui. Est-ce que cela ne peut pas arriver? Je te crois. La fièvre que tu as eue. Tu as eu une très bonne fièvre. Est-ce maintenant que tu es censé avoir de tels rêves? Hein? Je t'ai dit que tu as l'esprit des sirènes. Tu as vu? Et cette sirène te déteste. Hey! Ma princesse,
Pourquoi êtes-vous ici? S'il te plaît, laisse-moi le nourrir. Je ne veux pas qu'on sache que je suis ici. Je ne veux pas le laisser y affronter ça, tout seul, s'il te plaît. Mais, princesse... Mais quoi? S'il te plaît, laisse-moi le faire. Laisse-moi le nourrir. S'il te plaît. S'il te plaît, j'ai faim. Mange un peu. Je t'aime. Ma. Nayonahu. Allons-y. Nayonahu. S'il te plaît, aide-moi. Nayonahu. Nayonahu. Nayonahu, s'il te plaît. Nayonahu. Parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils Obisike. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le roi l'a attaché sur un arbre derrière sa maison. Pourquoi? Hein? Pourquoi le roi a fait une chose pareille? Père, c'est toi qui dis ça. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu peux fermer ta bouche? Écoute, je n'irai plus au champ. Ezeni, attends-moi. Père, je ne te comprends plus du tout. Est-ce à cause de ce stupide garçon que tu veux suspendre nos travaux? Tu veux la fermer? Regarde la façon dont les chèvres te regardent. Tu racontes n'importe quoi. Mon fils Nayonahu, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'il marche, t'en supplie. J'arrive, Ezeni. Si tu veux, va au champ. Papa, je ne te comprends pas. C'est comme tu veux. Papa. Je pars demander pourquoi. Le roi a attaché ce pauvre garçon. Ma, si tu veux, attends-moi. Si tu veux, assieds-toi. Allons-y. Père, tu veux dire que tu vas avec cette femme? S'il te plaît, allons-y, allons-y. Père! Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que papa commençait à m'aisiner? Ça ne sera pas possible. Je ne laisserai pas cette femme ensorceler mon père. Ça n'arrivera pas. C'est quoi cette bêtise? Qu'est-ce qui se passe? Je n'irai plus au champ. Vous allez bien? Je suis désolée de la manière que mon père vous traite. Parlez avec moi. Écoutez, princesse, vous devez partir. Akwani gi
kanja ta fufu e olebi no anyo bi o ma bi ayirimo masinaji arapolambo ewo love mo ewo obi mo obi afuruginanya yo masoro wa me munangigibi una ho ije love mo una ho ije siwani eme awani ije siwani kanja tafufu e choko biko bianye remaka. Votre Majesté. Obisike. Majesté. Depuis que tu es attaché ici, quelqu'un d'autre est-il venu te libérer? Cela veut dire que j'ai toute autorité sur ta vie. Mon dernier investissement. Laisse ma fille tranquille. Ou peut-être voudrais-tu que je te tue? Non. Quand tu partiras cette fois, va dire un grand merci à Lonowu parce qu'il a beaucoup plaidé pour toi. Garde détaché cet idiot. Merci, Majesté. Merci, Majesté. Salutations, père. Donc, après t'avoir parlé, ce que tu as trouvé de mieux à faire, c'est de me ramener la honte, c'est ça? Et à toute la famille royale. Le roi Ozurumba 1 du royaume d'Amafor sera là pour notre festival d'Ignam demain. Et ton objectif, c'est de me foutre la honte. Devant lui et ses subordonnés. C'est bien ce que tu as l'intention de faire. Altesse, est-ce la seule punition que tu vas donner à ce garçon? Mère, ce que père et toi infligez à ce garçon est très mal. Le plus vous le punissez, le plus mon amour en monte. Et il n'y a rien que vous deux ne pourrez faire pour m'empêcher de l'épouser. Regarde ta gueule. Nous sommes ici à vouloir ton bien. Et tu es là à raconter n'importe quoi. N'as-tu pas entendu que Igwe Ozurumba viendra ici demain avec son entourage? Ne peux-tu pas demander de la faveur aux dieux? Mère, écoute ce que tu dis. Je ne suis pas prête à me marier dans cette famille. Je veux construire mon foyer. J'aime Obisike et il n'y a rien. Masenachi, va-t'en d'ici avant que je ne pose ma main sur toi. Mais pourquoi? Voilà le privilège que tu lui as donné. Quand je parle, tu dis qu'elle est ta mère. C'est pourquoi elle peut se tenir devant toi et dire n'importe quoi. Et tu restes silencieux. Concernant ce garçon, il y restera jusqu'au matin. Mère, mère, mère! À l'époque, ma mère s'est très bien comportée. Mais cette fois-ci, je ne comprends. Maintenant alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le 21e siècle. Ok. Mon père t'a libéré. Parce que demain, c'est notre festival. Mais je vais le surprendre. Princesse, comment est-ce que tu as prévu le surprendre? Je passerai le festival avec toi. Il peut faire tout ce qu'il veut. Je suis prêt à mourir pour toi, ma princesse. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Mais si je peux me permettre, dis-moi, combien de temps est-ce que ce festival dure? 4 jours de marché. Ok.
Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Ok. Assure-toi de voir Igwe Ozurumba lorsqu'il viendra. Quand il viendra, je le verrai. Mais tu dois prendre un bain. Tu ne l'as pas fait depuis. C'est d'accord. Ah, je t'aime. Je t'aime aussi. Oh non, je t'ai appelé. Altesse. Merci, Altesse. Mais d'abord, votre Altesse, je veux d'abord vous remercier d'avoir libéré ce garçon, Obizike. Merci. Ah, écoute, j'ai dû le libérer à cause de toi. Mais est-ce que tu sais que ce garçon continue de sortir avec ma fille, malgré tous mes avertissements? Alors j'ai décidé de t'en parler parce que je n'accepterai plus cela. De toute façon, notre festival aura lieu demain. Je veux que tu mobilises les jeunes. Assure-toi qu'ils veillent sur les routes et vois ce qu'ils peuvent faire les rendre propres pour les invités que nous attendons. Voilà exactement pourquoi je t'ai appelé ici. Votre Altesse est compris. Merci. D'accord. Je ferai cela dès que je partirai d'ici. Mais s'il vous plaît, Votre Altesse, je ne veux pas que vous touchiez ou maltraitiez ce garçon Obizike à nouveau. Oh non! Est-ce que tu me menaces là? Ou est-ce que tu menaces ce palais? Je pense que cette réunion est terminée. Va faire ce que je t'ai demandé de faire. Au nom des dieux, va-t'en de mon palais immédiatement. Igwe, êtes-vous... Va-t'en de mon palais, maintenant et fais ce que je t'ai demandé de faire. D'accord, j'ai compris. Vous m'avez appelé, Altesse? Oui, je l'ai fait. Va dire à ma reine de se dépêcher. Rose Rumba 1, le royaume de ma force sera bientôt là. D'accord? Vas-y. Oui, mon roi. Toi. Toi qui t'appelles Obisiki ou peu importe. Je t'ai adressé à plusieurs reprises de laisser ma fille tranquille, mais tu as fait la sourde oreille. Jusqu'à preuve du contraire, je suis le roi de ce royaume. Je te rendrai la vie misérable. Est-elle la seule fille de ce royaume qui t'intéresse, que tu veux épouser? Pourquoi veux-tu apporter la honte dans ma famille royale? Tu es un pauvre garçon, tu n'es absolument rien. Alors comment oses-tu venir avec ta pauvreté dans ma famille? Dès que le roi Ozurumba 1 du royaume d'Amafor sera venu y rentrer, tu te retrouveras 6 pieds sous terre, ça je te le promets. Je vais aller me préparer n'importe quoi. Garde, amène-les devant pour sa punition habituelle. N'importe quoi. Idioma. Maman, as-tu entendu qu'Igwe Ozurumba 1 du royaume d'Amafo viendra dans notre communauté, notre royaume? Maman, es-tu sérieuse? Où étais-tu tout ce temps? Même son fils, le prince, viendra avec lui pour choisir sa femme ici. Et je veux que tu portes cette jolie tenue que je t'ai achetée parce que je veux qu'il t'épouse. Je serai là. Maman, fais ma confiance, je ne te décevrai pas. Je sais que tu me rendras heureuse, Dieu de nos terres. Permettez que le prince choisisse ma fille. Hey, je sais que vous allez le faire pour moi. J'ai hâte. Thank you.
Oui, c'est tout à fait normal. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Igwe, nous sommes prêts à partir. Où sont tes filles? Nous sommes en train de vous attendre. Elles ne sont pas ici. Non, elles ne sont pas là. Ojuwa, va les appeler. Va les appeler. Ah, c'est normal. C'est normal. C'est bon, c'est bon. Vous êtes très belle. Mère. Oh, mes filles. Nous sommes là. Mère. Vous êtes si belle. Merci, père. Ok. Igwe. Hein? D'accord. Après toi. Eh bien, on se met en route. Oui. Ma reine. Soyons patients. Le roi Zurumba et sa famille seront bientôt là. Et soyons juste un peu patients. Oui. Ils seront bientôt là. Hey! Ah ah! Le voilà! Roi Zurumba 1. Hey! Du royaume d'Amafor. Levons-nous pour l'accueillir. Thank you.
Igwe. Qui est ce jeune homme qui est en train de chanter tout en pleurant? Il a même mentionné mon nom. Roy Zorumba, c'est un idiot, un vaurien qui n'a pas arrêté d'harceler ma fille. Il dérange ce palais. Il dit qu'il veut l'épouser. Et nous n'avons pas de place pour des gens pareils. D'accord. S'il vous plaît, je demande que vous le libérez. Roi Zorumba, vous savez qu'il n'y a rien que le roi Zorumba 1 du royaume de ma foi puisse demander et que je ne puisse réaliser. Merci. Je le ferai. Merci. Je vais le relâcher. Merci. Garde, amène-le ici. Rapidement. Jeune homme, que ce soit la première et la dernière fois que vous mettez vos pieds dans ce palais, on n'a pas besoin de vous dans ce royaume. Vous êtes un jeune homme pauvre et démuni, qui vient de nulle part. Allez-vous-en. Votre Altesse, longue vie à vous. Mais Votre Altesse, est-ce un crime pour quelqu'un qui vient d'une famille riche d'épouser un homme pauvre? Est-ce que tu peux la fermer? Jeune homme, dégage d'ici. Va-t'en! Va-t'en d'ici. Cher notable, je vous ai tous appelés parce que l'Onowu du royaume d'Amafor et l'un de ses notables, notable Obi, sont ici. Alors on va les écouter avec beaucoup d'attention. Igwe, merci infiniment. Ancien, je vous salue une fois de plus. En fait, il y a quelques jours, notre roi, Igwe Uzurumba Ier du royaume d'Amafor, ouais, était dans votre royaume à cause de l'amour qu'il a envers ce royaume. Oui, c'est lui qui nous a envoyés en ce moment à vous. Il nous a donné une très bonne nouvelle. Il a dit que vous, les anciens, vous devriez préparer vos filles pour sa visite de demain avec son fils. Il choisira une femme. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. C'est très bien. Eh bien, oui. Bien, vous avez entendu, notable, chers anciens. Nous les avons entendus. Et c'est très important que vous alliez aussi au village et le dire à d'autres anciens. Exactement. Qui ne font pas partie de votre conseil. C'est de leur aussi la bonne nouvelle. Oui. Comme ça, tout le monde amènera sa fille. Je crois que tout est dit. On est tous au courant. Igwe. Igwe. Mes anciens, soyez les bienvenus. Merci. Nous vous avons entendus. Je suis vraiment très content d'entendre une telle bonne nouvelle de Sa Majesté Igwe Uzurumba, l'homme dont nous avons attendu pendant longtemps. Il est venu ici il y a quelques jours et il a encore promis de revenir pour venir choisir une femme pour son fils. Oui, oui. Son fils, oui, va se marier dans ce royaume. Oui. Ma fille, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition. Soyez les bienvenus. Les anciens, nous les avons écoutés. Oui. Ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de rentrer. Rassemblez vos filles et assurez-vous qu'elles soient ici demain, bien avant l'arrivée du roi Uzurumba. Merci, Majesté. Bien. Merci, Majesté. Merci infiniment.
Ma, je suis confuse. Par rapport à quoi? Je pense à imaginer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Attends, n'as-tu pas vu ces deux filles qui étaient avec Igwe au Zoromba? Qu'en est-il d'elles? Attendez, quel genre d'animal est-ce? Je n'avais encore jamais vu ce genre d'animal de toute ma vie. C'était ma première fois de voir cet animal. Alors, Ola, et qu'est-ce que tu dis? Souviens-toi qu'Igwe Ozurumba est venue avec plusieurs filles. Oui, je suspecte que ces deux filles sont des princesses. Oui, ce sont les mêmes filles que j'ai vues avec Obisike. Que ce ne soit pas ce que mon esprit me dit qui va arriver à la fin. Ce n'est pas possible. Comment Obisike peut être lié ou encore s'approcher de ces deux filles? Ah ah, cela me revient. Savez-vous que dans mon rêve, il y a de cela 7 jours du marché, j'ai vu ce misérable garçon. Que ce ne soit pas ça à quoi je pense. Oh, je vais rester tranquille, je ne dirai rien. Je ne le ferai pas. Ça ne peut pas être possible. Que ça ne le soit pas. Attendez, oh. Avez-vous vu ce que j'ai vu? Dieu de notre terre, aidez-moi à me rapprocher de cet homme. Ma, qu'est-ce qu'il y a? Es-tu en train de vouloir te rapprocher de cet homme? Ne le fais pas. Dieu de notre terre. Ni, bonjour. Dieu de notre terre, s'il vous plaît, aidez-moi. Faites en sorte que Igwe Ozurumba me remarque et demande à son fils, le prince, de m'épouser. Avez-vous vu ce qu'ils ont utilisé pour porter cet homme? Igwe Ozurumba est tellement riche! Je ne peux pas imaginer la fille à qui son fils va se marier. J'imagine que c'est moi. C'est très bien, toi. Mon ami, laisse-moi te dire, ce genre de personne ne met jamais long, peu importe où il va. Votre Majesté Ozurumba, où est votre fils? Il n'est pas là, il n'est pas venu avec vous. Comment peut-il avoir un mariage dans mon royaume sans votre fils? Eh bien... Le voilà. Quoi? Le prince de mon royaume. Notre fils. Notre fils. Igwe Ozurumba. Celui qui s'assiera sur le trône après moi. C'est lui. Salutations, père. Je suis le prince Obisike. Le prince héritier du grand royaume d'Amafor. Mais il a vécu avec nous ici, comme un pauvre, et nous ne l'avons jamais aimé. Nous l'avons détesté pas parce qu'il n'est pas beau, mais à cause de ses pauvres origines. C'est d'accord. Tu peux faire ton choix. Oh, mais c'est gay. Merci, père. Oh, je t'en prie. Quoi? Votre Altesse. Igwe Ozurumba. Vos bénédictions. Je vous bénis tous les deux aujourd'hui. Issé. Vous vivrez longtemps. Issé. Richesse. Issé. Tu succéderas à ton père. Issé. Tu régneras dans la richesse et la santé. Issé. Vous aurez des enfants. Et tout ce qu'il faudra pour fonder une bonne famille et un bon royaume sera à toi. Issé. Merci, Votre Altesse. Et merci, Roi Ozurumba.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.